Bonjour, 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 comment allez-vous? Ça va ou quoi? Oui, je suis en retard, tranquille, calmez-vous. Bonjour, 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 comment allez-vous, les copains, tranquille ou quoi? Oh non, mais il y en a marre de ce chat. Qu'est-ce qui se passe? Jamais il est à le chat. Chatbox. Est-ce que c'est bon? Bonjour, 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 bonjour. Eh ouais, faites pas gaffe au fond, là, il y a des canettes et tout, mais tranquille, hein. Ça se voit pas. Hein. C'est du décor, c'est peint sur le mur. Pourquoi? Bon, il n'y a pas de chat, c'est pas grave. Mais regardez! Oh mon Dieu! Cyrus sur Tour de France! Qu'est-ce qui se passe? J'ai réinstallé le jeu. Bon, par contre, attendez, ça va un peu fort, là, en tout cas dans mes oreilles. Dites-moi s'il faut baisser la musique, hein. Dites-moi tout. J'ai réinstallé le jeu. J'ai... je sais même plus. Mais en tout cas j'ai pris 1000 XP pour qu'on puisse jouer vous savez j'ai pris j'ai fait des tours là et j'ai tout simulé avec machin. Donc on va pouvoir se faire un petit tour de France tout simplement. C'est parti. Nouvelle partie. Cyanide. Pour le dernier parce que dans une semaine quasiment tout pile, jeudi prochain, le 20, nous serons sur TDF et PCM19. Et d'ailleurs, je suis content de vous le dire, ça, aujourd'hui, parce que bah, je suis heureux, tu vois, ça s'est fait aujourd'hui. Jeudi prochain, je vais à Paris. Avec Big Ben et Siani, tout ça, tu vois. T'es comme ça. Tout frais payé comme ça, hôtel, machin, train, tic-tac, Big Ben, il régale. Et toi, t'arrives pour tester les jeux à l'avance là-bas dans leurs locaux. Et ils vont me remettre dans leurs locaux les jeux en main propre, avec les boîtes et tout. Et quand je reviendrai le vendredi matin, vidéo et live. Et ouais, mon pote. Bon, allez, c'est parti. Tour de France. Vous me dites hein, s'il y a des problèmes, s'il y a des bugs ou quoi. N'hésitez pas. Par contre, j'ai rien partagé. J'ai rien partagé. Nous allons prendre la FDJ. Pourquoi la FDJ? Je n'ai pas choisi. En fait, c'est dans l'onglet communauté, j'avais mis un petit message. Et le qui revenait le plus, c'est FDJ. Celui qui. Le top commentaire, c'était aussi FDJ. Donc voilà, c'est pour ça que je la prends, tout simplement. Il n'y a pas de préférence, tout ça. C'est juste. Je savais pas qui prendre, du coup, voilà. Attendez, on va prendre qui là? À la place de Legac, non? À prendre Monsieur Thibault. Va prendre Reichenbach. Je pense que c'est bon comme ça. Ça me paraît bien. Voilà. Hop là, le Tour de France. Oh là là, ça fait plaisir, hein. Donc on a le parcours tout ça, le chrono par équipage cholet. J'ai plus joué, hein. J'ai plus lancé le jeu depuis. Je crois c'est quand la dernière vidéo TDF? Ça doit être en septembre. C'est pas mal. Du moins que le SMIC de l'été arrive. Et ouais mon pote, merci mon pote Rambo. Ça fait plaisir, t'es là. Vous êtes déjà 350, ça fait plaisir. Hein. Vous êtes présent. Compte sur vos pôles, petit pouce bleu, comme d'hab, si vous êtes là. Si vous êtes chaud pour PCM TDF 19. Et nous, je vais bouger la cam, hein, tranquille, pour la course. Hein, mais... Ouais bon, c'est le tour habituel, on connaît. On va se faire, du coup on va se le faire en deux lives. On va se faire aujourd'hui et vendredi, je pense que ce sera la suite. Et comme ça fait pile une semaine avant les vidéos. Après, je dis vidéo mais je sais pas encore si j'aurai un embargo. Je sais que vendredi matin quand je reviendrai de Paris chez moi tranquille, j'aurai les jeux, mais je sais pas si je pourrai directement diffuser. Donc bon, bon attendez. Faut que je leur réponde. Il faut que je mette en plus grand aussi ça. Voilà, c'est bien ça. En tout cas, j'espère que vous êtes contents. On va se faire un dernier petit tour de France. Hop.
est bien là. J'attends direct tout ça. Je prends le live là. Voilà, nickel. On va juste avant de partir, pour que vous soyez pas gênés, parce qu'on pense à tout nous ici. Hop. Et hop, on va mettre ça là, comme ça. Regardez ce qu'on va faire. Ça paraît bien comme ça. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Bon. On va envoyer personne, je pense. On va juste rester au chaud là aujourd'hui. On a des marques en mauvaise forme. Putain, je sais pas jouer. Hein. Je suis rouillé, hein, les potes. Hein. Donc, va falloir être tranquille. Bon, ça va, tranquille. 4 juillet. Ouais, du coup, la sortie repousse au 4 juillet. Par rapport. Parce que si vous avez pas vu tout ça, si vous êtes juste arrêté sur la vidéo de la semaine de lundi dernier, les jeux étaient repoussés au 4 juillet. Du coup, c'est un peu triste. Que ça soit pour surtout pour vous, parce que bah du coup vous pourrez jouer au jeu que 2 jours avant le vrai TDF, malheureusement. Du coup voilà. Et moi je suis aussi un peu deg, parce que du coup si ça sortait vraiment le 27, j'avais le jeu demain. Mais bon, c'est pas grave, tranquille, attendez une semaine de plus. Bon, on est protégé avec Nono. On va tenter de jouer le maillot blanc aussi avec Godu, je pense ça peut être sympa. Jouer le maillot vert, tout ça, jouer un peu tout, vous connaissez. Bon, sinon, From, il est blessé, là. Il va pas faire le tour, je crois. Et en tout cas, il a pas l'air. Bon, du coup, ouais, on va faire en 2 lives. Je sais pas jusqu'où on va aller. Je pense au moins jusqu'à l'étape 12. Ou 11, on verra. On verra si on fait les 3 Alpes. Les 3 de live, ou si on s'arrête avant l'Alpe d'Huez ou quoi. Semaine à Paname, et ouais, mon pote. Comme je l'ai dit, faudra juste voir s'il y a embargo, tout ça. De toute façon, je vous préviendrai. Je suis plus à l'égide. Mais oui, mais c'est sur le 18 là. Et sur le jeu 2018. Bon, sinon c'est bon le son, non? Ou c'est décalé, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas stream sur console, donc 1, 2, 3. Je pense c'est bon. Salut à NB Master. Bienvenue, bienvenue. Tout aujourd'hui. Non, 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 non. Ça sert à rien. Après, il n'y a plus de live jusque vendredi prochain, voire plus. Imaginez, il y a un embargo d'une semaine. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien pendant 2 semaines. Tranquille. On sera à la suite vendredi. On coupe comme ça, dans 2 jours. Non, tu tures, j'ai vu. Et on pote. Allez, Nono. Ouais, Nono. Bon, non, mais on va quand même essayer d'aller gagner. Je joue le maillot vert comme d'hab. C'est Lichot qui me protège? Y'a personne qui me protège. Super. En vrai, je pense que ça va me faire du bien de pas avoir joué au jeu depuis septembre dernier là. Complètement avoir coupé pendant quasiment toute l'année. Comme ça je vais arriver sur le 19 et je serai pas en mode écœuré du jeu. Je suis un crack, sérieux. Eh, je suis un crack, même sans jouer 10 mois là on win tout là. Oh là là, quelle machine. Ok, on prend 11 points, c'est cool. Bah c'était pas un prank, bah non. Eh, les éditeurs et les développeurs, ils font pas des pranks, hein. Ils sont pas youtubeurs. T'as combien le jeu est sorti? J'imagine comme comme l'an prochain, comme l'an dernier, pardon. Du coup on verra, parce que je vais leur demander aussi, je pense ils vont plus m'en parler comment ça va se passer jeudi prochain, mais je sais pas si j'aurai le droit de filmer des trucs, si j'aurai le droit de, je sais pas, par exemple... Je sais que je vais rencontrer les devs et tout. Il y aura également une partie presse. Mais du coup, je sais pas si.
Par exemple, je peux vous. Allez, je peux par exemple vous demander de. Si vous avez des questions pour eux, ou des demandes à faire par rapport au jeu, si je peux le. Si vous pouvez me les dire et je passe le message, machin, je sais pas comment ça va se passer. Première fois que je fais ça, première fois que je vais à Paname, je suis trop content. Je vais enfin voir Paris, putain. Frère, 20 ans, j'ai première fois que je vais voir Paris. Attends, passer en même temps. Mais non, on est au dernier, je sais même plus comment ça s'appelle. Regarde là. Regarde les quatre petites montagnes. Bon, là, tu le vois pas avec Twitter, mais. Regarde les quatre petites montagnes. Ça y est, vous commencez déjà. Dis-moi son contenu. T'es, vous commencez. Ouais, mais t'es en facile. Arrêtez. Ça va bien meilleur que toi. Bah, super, merci. C'est plaisir. Es-tu le vrai? Non, tu n'es pas le vrai Benito aussi. Un fake, super, bien joué. Et toi Florian? Ne pouvez pas vous lâcher, hein, c'est donc lui qui nous a insultés. Ouais, je. Moi je les ai jamais insultés, hein. Putain, ouais, faut que je lui réponde, merde, je vais bien. Il m'a demandé les coordonnées et tout, l'autre. Mais je sais pas, c'est chez Cyanide, mais c'est Big Ben qui organise, qui paye tout, genre. C'est du coup, je sais pas comment ça va se passer, si c'est les devs de Cyanide qu'on va voir. Je sais pas. Après, je sais que les autres années, c'était ouvert au public, je sais pas. Je crois qu'ils ont pas mis d'annonce sur leur réseau ou quoi, comme les autres années, pour s'inscrire à la porte ouverte ou quoi. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment fermé, genre à presse et aux invités et tout. Y'a du vent ou pas? Non, y'a pas de vent. Même si Jacopo. Je sais pas comment ça se passe si ouais, on verra. Mais du coup, ouais, si y a des gens ici qui ont déjà été ou pas, les autres années. Si on pouvait s'inscrire, vous pouvez y aller aussi. Comment ça se passe, s'il y a des trucs. Mais du coup, je suis content aussi parce que d'habitude j'avais les jeux en dématérialisé, là je vais avoir les boîtes. Et ouais. Pris la grosse tête, super. Il y aura des GE1 sur le bord de la route. Faire des variantes sur le parcours des championnats du monde. Il y a trois variantes. Il y a le parcours officiel et il y a deux variantes à Bruxelles et une à Londres. Et c'est varié, genre il y a une variante plate et une variante vallonnée. Donc ça a l'air cool. Pourquoi on n'a pas vu les parcours encore? Je sais plus comment on joue, c'est triste. Bon, Thibaut, tu restes placé, hein. Tu perds pas de temps. Je sais même plus les notes qu'il a, ça tombe, il a des notes pétées après les matchs, on va galérer de ouf. Je m'en souviens plus. Allez, reste placé, Nono. Pas de chute. Ok, c'est bon. On a plutôt bien géré le truc, j'ai l'impression. Allez Nono! Allez Nono! Oh je sais pas, j'ai pas vu, ça s'est joué à rien là. J'ai pas suivi là. Par contre c'est... Oh non. Oh non Pino! J'espère qu'ils ont pas compté. Hein. Salut Aaron. Qui est défini. J'ai une idée, je regarde pas. Je regarde. C'est un beau podium aujourd'hui. Oh non, c'est lui! Oh le seum! Oh non! Oh, j'ai le seum de ouf! Suspicion n'excuse pas la bêtise. Si toi aussi tu en réjouis complètement, Chris Room soit blessé durablement. Quel moment je me suis réjoui que Chris Room était blessé? Par rapport à mon truc Twitter là? Mais t'es un malade mental, hein. Si vous comprenez pas le français, j'y peux rien moi aussi. J'ai juste dit que c'était justement, j'ai dit c'est triste pour lui, c'est dommage, mais pour les spectateurs c'est mieux parce que ça sera plus ouvert et c'est vrai. S'il fait pas le tour Froome, logique, c'est sûr que ça sera plus ouvert et la INE sera moins forte. Ils auront toujours une grosse équipe, mais ça sera moins forte. Putain, il y a une cassure, je suis mort.
Oh non. Ça y est, ça commence. Putain, Pino, il a pris une chute. Bardé aussi, je crois. Tant pis. J'ai le seum. Tu aurais vu Nico? Ah, je sais pas. Hein. T'es pas sur Paris, toi, en plus? Putain, j'espère que je vais pas te voir. Hein. Bon. Ça commence, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous, on aime le challenge. On aime quand on a du retard comme ça et le rattraper, tu vois. Bon, sinon, vous avez rien dit par rapport au sourire s'il y avait un décalage ou quoi, donc j'imagine c'est bon. Non, il est pas dans le jeu, le noob. Ça commence, bah non. Et encore Thomas Bernal. Oui, mais ce sera forcément plus ouvert. Ok, ils auront toujours la grosse équipe, mais. On va envoyer quelqu'un là, on a envie de faire le petit point. On va envoyer Rudy. Mon petit Rudy, t'es bien toi, non? Ou Vichot? Qui on envoie là? Vichot, Rudy? Allez, Vichot! Allez, mon petit Vichot! Merci Matt, t'inquiète, t'es sous pas. Ah, Van Aert, petit maillot vert et tout. Par contre, j'ai le seum pour Gilbert. Hein. J'avoue, c'est la seule étape que j'ai regardé pour le moment, mais putain. C'est fumé par Boissonaïon au sprint. J'ai le mort. Je suis trop triste. Avec Tutur là, qui était là-bas, qui mettait le seum en envoyant des photos toutes les deux secondes de lui là. Putain, il me dégoûte ce type. Vraiment, fuck Tutur. Hein. Non, Guarnieri, Guarnieri. Voilà, merci. Eh, par contre, comment, j'avoue, je kiffe, hein. Le jeu est rempli de bugs et tout toujours, hein, mais... Vous voyez, le fait de pas avoir joué depuis longtemps, là, je kiffe de ouf. J'ai tellement hâte d'être la semaine prochaine, putain. Ça y est. Vous vous rendez pas compte, hein. Tous les étés, là, c'est le bonheur, tous les étés, à chaque fois. Les lives tous les soirs de je sais pas combien de temps, le 24h, les 2-3 vidéos par jour, là. Oh là là. Quel bonheur. Il y a plus qu'une semaine. Et Delta Show, merci pour tous les pouces bleus. Déjà à 200, ça fait plaisir. On est que deux. Mollard contre Cousin. Faites vos pronos, qui va prendre le point? Je pense qu'on va le prendre. Bon, on est en mauvais son, on a réussi à faire un beau sprint. J'espère que ça sera bien aussi. Par contre, on est d'accord. Je me souviens plus. Oui, mais je crois, non. Non, non, au début du live, on a même pris les plus grosses difficultés. On a pris les jambes, je crois. Je suis sur PS4. Du coup, je sais pas si vous avez suivi aussi la fameuse interview de Mega là. J'ai regardé vite fait. Ils ont expliqué plus en détail le multi. Ceux qui auraient pas vu ou écouté, le multi, comment ça sera? Ça sera des mini circuits, genre. Et ça sera une dizaine de minutes à peu près par course. Et ça sera pas des courses quoi. Et ça sera pas genre tu fais l'étape 4 du TDF en multi contre un autre. Ouais. Ça sera des courses spécialement créées pour le multi. Donc à voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est pas non plus la folie, mais ça peut être fun si les serveurs sont bien et ça peut être un petit mini-jeu quoi, ça peut être cool. Et je suis d'accord avec eux sur ce point là, c'est que pour un multi, on préfère que ça soit dynamique et rapide que de faire 200 bornes et que ça dure 3 quarts d'heure quoi. Accélération d'Arthur Vichot, Cousin ne peut pas suivre. Et oui, le point, on sera en point, un petit poids demain. Et ouais mon petit Cousin. Vu qu'on va passer sur Nono. Bonsoir Piche. Faites rapidement la scène. Je ne rentre pas plus moi. C'est juste que les serveurs soient bons et qu'il n'y ait pas de bug. En soi, comme je le dis depuis le début, le peu de nouveautés qu'il y a, ça me suffit largement. Il faut juste qu'il n'y ait pas de bug. S'il n'y a pas de bug, pour moi, je suis tellement content et je tiens toute l'année sur le jeu. C'est juste les bugs qui rebutent de ouf sur celui-ci. Non, mais message, oui. Bonjour Nico. RCF, yo, Julien. Non, Maël. Ce PCM, j'ai testé, mais on n'a pas le droit d'en parler. Tiens, faut que je lui réponde au type, attends.
Nom et prénom. Ah merde. Putain, si Yannick va avoir mon nom de famille et tout. Merde. Je suis arrivé, ils vont m'attendre avec les points. Ils vont me castagner. T'as de l'essence. Pas de portable. Oh, super. Ils auront mon numéro et tout. Yes, ils vont me trash talk. J'ai de départ. Les choux qui se relèvent, bon, pas grave, pas forcément. Imagine, ça va où, on sait jamais. Mais bon, Bretagne, ici aussi, mec, très très beau. Zone protège Pino, c'est vrai. Chaque fois, ça s'enlève. Du coup, je t'avoue, Tobias, là sur Thibaut. Bon, il y a 15 points là, faut pas se foirer. Hein. Allez, Jacopo. Va venir me protéger, mon petit Jacopo. Non, reste une barre, bouge. Non, 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 non. Oh, il y a un groupe qui s'est extirpé. Hein. Et hey, Pino reste bien placé, hein, je t'avoue. Putain, je suis complètement bloqué, j'ai peur. On va utiliser un peu de rouge, tant pis, pour se replacer. La route Christophe, ça se finit en faux plan, on va aller prendre le sillage de Sagan. Je fais des zigzags sur le sprint et alors. Oh, je passe 3, non 4, on prend 10 points. Ok, ok. C'est les drapeaux. Ouais, mais c'est pas grave. Et je pense qu'on est plus rapide que cousin, donc. Si je t'aime, Lani. Bah super Léon. Donne-moi ton adresse Léon, je viens de voir Lully. Prépare-toi. J'ai moins 23. Et ouais, putain, je vous mens pas. Hein. C'est bon, j'ai trop hâte là. En plus, j'ai rien à faire, je m'emmerde là. Je suis chez moi du matin au soir, je regarde le plafond, c'est un plaisir. Hein. Bon, du coup, s'il y a des Parisiens aussi dans le chat, si vous avez pas des psys, je sais pas c'est de quel côté les Cossianides et où sera l'hôtel, je sais pas s'il sera dans quelle zone de Paris, mais s'il y a des petits trucs sympas, genre, je sais pas moi, des trucs pour graille, un resto ou quoi, je sais pas moi, ou un petit bar sympa, c'est jamais, donnez-moi vos adresses là, faites péter. On va se faire kiffer un peu jeudi prochain là. Plus je serai solo, moment de faire des rencontres. Je sais pas s'il y a ça, je sais qu'il y a Léon, mais Léon il est dans une zone chelou un peu. Allez toi Yorn. Multicompte des abonnés. J'espère, en fait je sais pas si ça sera comment, si je sais pas si on pourra lancer une recherche de game et on tombe sur des gens au hasard, ça serait cool. Ou si c'est juste tu joues avec tes potes que t'as un ami PSN quoi. Et d'ailleurs ils l'ont dit aussi, il faudra le PS Plus hein. Pour ceux qui savaient pas. Ceux aussi ils l'ont dit, il faudra l'abonnement en ligne. Que ça soit Xbox ou Play. Quelle heure à Paname? Qu'une idée. Je sais pas, il faut qu'il m'envoie tous les billets et tout. Je sais que si je le prenais moi-même, je partais de chez moi à 5h30, j'arrivais à 8h30. Je vous avoue, ils ont ralasse, hein. Parce que de base, si je devais tout faire moi-même, genre, c'est. Il y en avait pour 200 boules. Eh, je les aime bien, mais juste pour tester un jeu. Alors que le même jour, tu restes chez toi et tu reçois les codes. Je sais pas que 200 boules ça pique un peu. Hein. Mais je sais pas du coup si eux ils comptent me faire partir à quelle heure ou quoi. C'était comment encore? C'était pas comme ça?
Peter qui revient. Non. J'ai lancé trop tôt. Fuck. Nul Styros. Oh non. Oh non. Nul Styros. Oh non, pas le chien, le fameux. Il est en tête du classement. Il faut que j'envoie un message à Steve, je sais qu'il habite par là aussi. Putain. Nous voir des petites têtes là qu'on a jamais vues, c'est honteux. Ça gagne devant Colbrelli Machos. Vas-y, on est rouillé, mais c'est pas grave, ça va revenir avec le temps, hein, vous en faites pas, tranquille. C'est lui, il lose. Le Cyrus nul. Ouais, t'as fait une démarre. Super. Prenons Paris. Nous on veut Quimper là, on veut Mur de Bretagne, on veut kiffer, on veut des pavés, on veut de la montagne. Ouais, je pense qu'on ira jusqu'à l'étape 12. Ça fait quand même pas mal, il y a toute la première semaine avec les pavés, le vallon au milieu, il y a les 3 étapes des Alpes. Il y a de quoi s'amuser, le live va pas durer une heure quoi. Wesh, calmez-vous là. Chrono 72. Oh, préparez-vous à voir une masterclass là. Pas du tout, je vais me prendre tous les murs, ça va être incroyable. Maintenant la dernière équipe à s'élancer pour ce contre-la-montre par équipe. Allez, on les encourage. Gardez-vous de Van Aert, mais j'ai pas vu, je savais même pas. Pour rien vous cacher, je suis encore décalé et genre je suis encore tombé en endormi cet après-midi. Bon, j'ai pas pu voir, je me souviens plus comment il faut le gérer, j'avoue. Hey Thibaut! Attaque de Thibaut Pinot! Oh. Il y a les molots, tu sais quoi? Calmons-nous. Karen Thomas leader. Et en vrai, je kifferais du coup voir le petit Bernal leader. Hein. En vrai, Thomas, il faudra voir avec le tour de Suisse qui va bientôt commencer, mais. Je sais pas, Thomas, je le sens moins fort que l'an dernier, non? En vrai, je pense que ça va faire comme une Wiggins ou quoi. Il va gagner un tour et puis c'est tout. Ça a été juste son année et c'est bon. Maintenant, ça, on est de retour. C'est les vrais grimpeurs, entre guillemets, qui vont revenir, quoi. Parce que Thomas, en soi, de base, le mec, il faisait des top 5 sur des Tours des Flandres, quoi. On va se calmer, on va perdre du temps au début, mais c'est pas grave. Faire garder de l'énergie pour la fin. Non, je crois que c'était pas comme ça en plus. Je crois que je pouvais aller à fond ici. C'est dans les montées qu'il fallait aller mollo. Putain, j'ai le seum. C'est pas grave, on a deux maillots. Hein. C'est principal, non? J'essaie de perdre le moins de temps possible. Hey David, tu seras en blanc dans 3 semaines, mon pote. Et ouais. Bien Pinot cette année sur le tour. Ouais. On va y avoir des fouilles comme d'hab. Mais vous en faites pas. Alors, faites-moi rire un peu. Jure ? Oh là là, je suis un crack. Je suis trop un crack, sérieux. Deuxième, 2 secondes de retard sur la Team Sky. Oh là là. Vraiment, on le dit pas assez, hein, mais je suis une machine, hein. Le mec s'en jouait comme ça, j'ai dû jouer 3 fois le chrono sur ce jeu. On arrive, on défonce tout, quel bonheur. Mais par contre pour le jeu là, j'ai trop d'idées. Je sais que cette année j'ai délaissé de ouf le My Tour, mais on va refaire comme il y a 2 ans. Ceux qui étaient déjà là sur TDF 17, si vous vous souvenez bien, on faisait plein de My Tour sympas avec des petits concepts et tout. En plus je vous faisais interagir et tout pendant les My Tour et tout, c'était sympa. Je pense qu'on va revenir sur cette base aussi, ça peut être sympa de vidéo. On va potentiellement faire le petit retour du petit Giro là, en plus il y aura les maillots, on pourra changer les couleurs et tout. Aïe aïe, le petit Giro 19 sur TDF qui arrive là, vous le voyez ou pas? Moi je le vois, hein. On va se calmer là dans la montée, calmons-nous, ayons le temps.
Allez, Rudy qui prend un bon relais. On relance un peu sur le sommet. J'ai l'impression qu'on est pas mal, hein. Niveau barbe bleue et tout, ça a l'air pas dégueu. T'es en facile, mais je suis pas en facile. Qu'est-ce que vous me dites? Laissez-moi tranquille. Par contre, là dans la montée, on va direct faire passer Pino. On a déjà reculé. Ou à 12ème, sérieusement. On est toujours en avance, mais. On a pris 20 secondes. C'est pas grave, calmons-nous. On a que la FDJ après tout. On a rien vu. C'est bon, c'est bon. Après, on a pas mal de grimpeurs, donc je pense dans les boss, ça fait ça, on peut bombarder. Hein. On a minimum 5 mecs chauds. Voilà comment je me suis concentré. Les best of cycling. Non, les légendes. Ok, où Tobias? Où Tobias, il est bon. Tobias, il est chaud. J'espère que j'ai pas mal géré. Ça va être un carnage. Hein. Préparez-vous à une masterclass dans la montée. J'ai très peur. Déjà, on a une minute pour finir si on veut être devant la Sky. Oi. Tranquille, tranquille. C'est un bug. Non, on a bien fini, on a bien fini. On est en groupe, on est en groupe. C'est bon, c'est bon. Regardez. J'ai l'impression que c'est bon. Après, je suis peut-être. Ouais, c'est peut-être une impression, mais. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir. Déjà, il n'y a pas de jaune, donc je crois qu'on n'a pas gagné. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. Eh, regardez, je nous vois 41ème là. Eh ouais mon pote, on est 6ème. Écoute, on perd 41 secondes, mais ça on n'y peut rien, ça c'est la Sky, mais on n'est pas si loin. 6ème avec la FDJ, c'est cool. 41 secondes de perdu. Bon par contre j'avoue la chute au début elle me fait chier, hein, parce que du coup là attendez. Froome il est à 0 secondes, nous on est à 1.14. 1.37 avec Pino. Putain à cause de sa cage sur. Vas-y Pino il abuse. Déjà première étape de plaine. Pas de chargement sur les chronos. Si ils ont retravaillé un peu le chrono par équipe. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. Enfin après je sais pas si on pourra rattraper le mec devant, mais ils ont retravaillé en mode nouvelle manière de le faire. Salut Erwan, tu vas voir le TDF, c'est aucune idée. Je sais que je vais voir l'étape 3. Après je sais pas si je prends le temps d'aller les deux premiers jours. Ça pourrait être cool en vrai. Mais je sais pas. Alors, est-ce qu'on renvoie Vichou? On va renvoyer Vichou, hein. Et l'étape d'après, bon là on a envie d'être à l'étape d'après, hein. Clairement.
Le Xenex qui a l'album TDF. Moi, j'avoue, j'achète plus le paquet, j'attends de voir pour commander la fin sur le site. Parce qu'il m'en manque 31, je crois, de cartes. Il est top là. Sinon, c'est cool de voir là-bas. Ah, après Bruxelles, c'est grand. Hein. En fait, faut. Je peux y aller. Hein. Le seul facteur qui ferait que j'irai pas, c'est la flemme. Je t'avoue. Non, et en vrai, il faut aussi. Parce que c'est galère période TDF. En vrai, c'est. Avec les lives tous les soirs, les vidéos qu'il faut faire en plus et tout, c'est galère. Du matin au soir, je suis sur les jeux quoi, mais. On peut avoir. Salut Ingenious, salut Monsieur Smartphone, comment ça va? Ça fait plaisir d'être présent. Vous êtes là. On dirait que vous avez un bon de sortie de la part du peloton. Il roule tranquille. Pum, pum. Cette technique, quelle technique? J'ai pas vu, si tu peux la remettre. Sur les 200 doubles. Ah, je t'avoue, attends. Où est-ce que je trouve mon paquet de doubles? Je crois qu'il est là-bas. Il est long. Oh, il est quoi? Oh non, terrible. Ah non, tombe pas les cartes. Oh, terrible image. Oh non. Oh, quel connard. Oh, quel débile. I. Il reste encore, mais. Alors. Voici mes doublons. C'est-à-dire que il y en a pas mal. Voilà, si jamais il y a des Belges pas loin qui veulent venir les chercher, je vous les donne. Je vous ralasse. Ah. Il m'en manque 13 pour le full. Ah ouais, d'accord. Moi 31 je crois. Oh là là, il y a Alex qui vient jeudi prochain, mais quel bonheur! Mais je serai pas tout seul! Bon, y a Benji, ça va être marrant. Putain, je vais devoir parler en anglais avec Benji, quel bonheur! Attendez. Bon, je me mute parce qu'il m'a envoyé des messages vocaux, je sais pas. Oh, quel bonheur! Oh, je vais voir Alex avec ses gadgets. Oh là là! Oh oui! Oh là là! Quel bonheur! Je savais pas ça! Je viens de le voir! Mais oui! Et il sera aussi à l'hôtel le soir! Bon là 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 là! Qu'est-ce que je fais moi en fait? Attends, vous me dites rien vous aussi! J'allais faire le spin avec Vichou et pas avec Démar. Bah tu tures le seul qui vient pas vraiment. De toute façon t'as déjà raté mec, viens, allez hop. Par contre c'est un bâtard hein, lui et puis Il a râlé à sa copine, genre Biben, ils vont même payer le voyage à sa copine et tout. Moi j'ai demandé si on devait venir tout seul ou si je pouvais amener quelqu'un ou quoi, un pote pour pas être solo. Ils m'ont dit non. Yes, of course. Un plaisir. Allez Nono. Bon, ce sprint il est easy en descente comme ça. Ah ouais d'accord, yes. Vive Lee, hein, l'IA qui sait pas gérer les sprints en descente. Attends, ils sont directs là. Ok. C'est une épreuve. Monsieur, mec. Combien d'épreuves j'ai pas raté, moi? Et regarde. Bon, l'étape d'après, Quimper, ça dépendra de la forme entre Vichot et. Et l'autre, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou. Et Mollard.
Je crois que j'ai lancé trop tôt, non? Non, ça va. It's okay! On conserve le maillot, ça, ça fait plaisir. On va repasser sur Nono. Et Nicolas. Vu la rumeur Quintana chez Arkea. Ouais, mais. Justement, c'est une rumeur, quoi. Rien de fou. Je pense que c'est faux. Si Arkea arrive à avoir Quintana. Mais tu tures, c'est à quelle heure ton épreuve? Ça tombe, c'est au matin et tu peux venir en fin de matinée, ça l'a dégénéré. Complètement chelou, toi. T'es en train de s'attaquer devant. J'espère que ça va pas aller au bout. Hein. J'ai pas l'impression quand même, ça revient fort. Ah mais c'est galère là pour échanger vu que t'es pas en Belgique. Oh, les gars, c'est bien. 30 secondes, est-ce que ça va au bout ou pas? Ils sont 7 quand même hein. Je pense que ça peut aller au bout. On joue quoi, la victoire avec Vichou ou démarre là? Vite, 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 vite. Dites-moi ce qu'on fait. Je suis perdu. On peut peut-être aller sur Vichou et gérer les démarres à l'oreillette. Ce sera pas fou, je pense pas qu'il fera premier mais... Oui Matt. Ça va aller au bout, ça va aller au bout. Ah okay. D'ailleurs Ruben. Bon, on va gérer comme ça. Eh, je me dis potentiellement Vichou c'est sa seule victoire. Démarre, il y en aura encore d'autres au pire. Hein. On va essayer de gérer des mains à l'oreillette. Soit Robin. Non, 4 km 30 secondes, ça va aller au bout là. Je pense que je l'ai donné un peu tôt mais bon. Eh oui! Arthur le Vichot! Nickel. Mesdames et messieurs, accueillez le chaleur. C'est revenu fort quand même, j'avoue, j'ai hésité à repasser derrière, mais. On est là, hein! On a gagné, je suis trop heureux. Bravo les gars, félicitations à vous. J'espérais bien que vous jouez les premiers rôles, mais là, gagné cette étape. Il démarre, oh, il fait 9, terrible. Ok. C'est vrai, on n'est pas non plus hyper loin quand il y a que 31 points. Ok, nickel. Parfait. Bonjour à tous. Bon, là c'est bien là. Quimper. Quimper mur de Bretagne. Là c'est un enchaînement intéressant. On a du retour à reprendre en plus avec sa cassure l'autre. On va pouvoir partir dans l'échappée aussi avec soit Vichou, soit Mollard. Ça va dépendre de la forme.
Ah, bon bah ça part sur du molar, hein. Putain, mes pignons, mauvaise forme. Ça y est, ça commence. Oh, cyanide. Et moi, je vais leur dire d'ailleurs, jeudi prochain, je vais leur dire. Je vais arriver, je vais faire. Eh, vous m'avez blacklist ou quoi? C'est quoi ça? PCM, TDF ou quoi? Y'a des vidéos et des lives à l'appui là, j'ai que des mauvaises formes, les gars. Ça va pas ça? C'est totalement fou, hein. Je vais arriver, je vais dire bonjour, enchanté, tout ça. Juste ça. Il était passé sur Twitch, non? Je vois plus. Oh là là, j'avais pas vu, y'avait Rambo dans le chat, le prince du Qatar. Elle plaise du Qatar. Le mec il gagne Paris sur Paris, quel homme. Allez Rudy. Là par contre y'a moyen, hein. Là y'a moyen d'aller faire quelque chose. Godu. Godu on va le garder pour la montagne. Après je sais pas si Godu on joue En vrai je pense que la meilleure solution pour Godu de jouer le maillot blanc c'est de partir dans les échappées, hein. Non? Parce que si on le garde dans le peloton, je pense que en partant au... Allez, au même pied que Bernal, je pense qu'il se fait fumer. Donc je sais pas, on verra. Ça tombe jouer le maillot à poids et le maillot blanc en même temps avec Godieu. Et garder Reichenbar pour nous aider. Je sais pas ce qu'on fera, soit Reichenbar maillot à poids, soit Godieu maillot à poids, ce sera l'un des deux. Mais Twitch c'est compliqué, hein. Même moi quand j'étais passé sur Twitch, je crois que je faisais à peine 80 viewers. C'est moins que. Il y a beaucoup moins de gens qu'ici. C'est Timéo. Ça galère à partir là. Non, c'est bon, ok. On rentre dans l'intéressant. On a déjà maillot vert, nono. Godu. Waouh, waouh, il est loin. Qu'est-ce que tu fais, gros? Non, ça va. Oh, oh, terrible. Terrible image. C'est qui? C'est Kuato, je crois, en jaune. Ouais. Oh, lui, là. Putain, regarde, tu tues vraiment. Mais tu tout à l'heure tu m'as pas répondu, ton épreuve c'est au matin ou pas? Parce que si c'est au matin, tu. Genre imaginons tu termines à 11h, tu demandes billet de train pour vers midi, t'arrives dans l'après mais hop c'est bon. Ouais, faut forcément partir à 5h de chez soi, sale malade. Bon seul le point qu'il prendra donc autant tout donner. Même si on utilise tout le rouge. Ok nickel. On est bien remonté là. Ouais j'ai vu aussi Ligue 1, c'est quoi ça? Ligue 1 Uber Eats à partir de 2020. C'est honteux. Putain. Ah, toujours un plaisir l'esprit d'en descente. Vive l'IA. Oh, oh pardon, pas fait exprès. Désolé Gronewegen. Troisième je crois. Ouais. Pourquoi il est tombé à la reco du chrono? Oh, c'est quoi cette connerie? Au Bernal? On est lâché mon pote. On parle sur le tour. Mais ça c'est officiel ou pas? Oui, ça sera remis. De toute façon même s'il est remis en soi, il aura pas de prépa, donc ça va être compliqué. Voilà. Mais par contre du coup, s'il se remet, je pense que ça devient le gros favori pour la Volta par contre Froome. À disqualifié, ça va, désolé, je suis pas fait exprès. Le commissaire là, trop strict. Ok. Et puis Faceport.
Oh, le virage. Donc là, il est pas là, je crois pas. Ah, par contre, le but c'est pas de les lâcher maintenant. Hein. C'est un bâtard, allez. Je suis en train de voir l'étude si mais Arthur. Putain. Putain. Par contre, j'avais pas, je crois que je vais voir Mega. Quel bonheur. Je suis sûr que je vais arriver jeudi prochain. Cyanide. Ils vont m'attendre avec les poings serrés. On dira, ah, c'est toi le connard qui parle mal du jeu tout le temps là. On m'attendait avec des battes, ça va être magnifique. C'est bon, ouais. Ça se passe bien derrière, toujours protégé, ok. On va protéger Godu aussi. Salut Lucas. Je crois que j'en sais un peu tôt là. Après Mollard au pic de forme, on est largement le meilleur de l'échappée. Hein. On doit prendre tous les points normalement. Ok. Il y a quand même calme Jeanne, mais ça devrait le faire. Fin de saison, Froome avec cette blessure. Ah ouais, même pas de Volta. Ça par contre serait dur. Ça c'est dur pour lui quand même. C'est Timao. Là le gel. Je pense que ça va aller au bout hein, vu l'échappée. On utilise plein de force pour les points, mais c'est pas grave. Pam, 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 pam. Du coup, j'ai pas suivi Van Aert, il a gagné le chrono, mais il est en jaune ou pas? J'ai rien suivi du tout, c'est horrible. Par contre, si Tutu Riva et que je me retrouve avec Tutu et Alex qui font 1m90 et que moi je fais 1m70, ça va être magnifique. Hein. Putain. Ça, j'avoue. Adam Yates en jeune, d'accord. Merci. C'est pas, c'est quoi là? Oh, revenez, revenez! Les copains! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Mais Hawson! Voilà. Si, qui accélère là, c'est Moinard. Oh mon gars, calme-toi. Voilà. Oh, t'arrêtes d'accélérer là? Pipi. Putain, on rafle tout, hein, quel bonheur. Bon, derrière, ça accélère de dingue. Ok. Petit bleu pour Guarnieri. Pour les autres, pas besoin encore.
Prenons ces noms de côte. Non, non, c'est mort, c'est mort. Hey, je vous aime bien là, je sais pas, on est où là? C'est la Bretagne, non? C'est. Non, non. C'est... Je vous aime bien, mais. Yeah, c'est quoi ça? Meyer Skellerch. Yes. Vous abusez avec vos noms aussi. C'est honteux. Ouais, Pino, il a l'air bien là. Après, je crois que c'est Bardet qui est un peu plus mal, genre, il a perdu le temps hein, sur une étape. Après avoir, parce que ça veut rien dire, hein, généralement le Dauphiné, il reste un mois avant le tour, quoi. Regardez, si on suit à la forme un mois avant les grands tours, Roglic devait fumer le Giro, il l'a pas fait. Hein. On va lancer. Je pense que si on prend les deux points là, c'est déjà quasiment sûr. 2, 4, on aurait 7 points. Il en reste 5 à prendre, ouais. Je serais quasiment sûr de l'avoir, le maillot. Et crédit. Des cours de breton, si tu veux. Non, non, non. Je suis trop deg. Voilà, l'étape est loupée. J'ai pas pris tous les points. Je suis dégoûté. Putain, Lilian, Lilian, Lilian. Qu'est-ce que tu me fais, gros? Ok, Guarnieri fini. Du coup, on va demander à... Oh, le Dixon, c'est quoi, de me protéger. Voilà. Guarnieri, il est cuit. On récupère un peu mon tirelier. Là, ça va être tendu, hein. On a plus de rouge. C'est de récup, j'ai pas envie d'utiliser de rouge maintenant. Bah, quoi que je vais quand même le prendre, c'est quoi. C'est le torrent. Nickel. Oh oui. Oh, De Gand, viens. Non. Calme-toi. Je pense qu'on va essayer de carotter un peu 2-3 relais là parce que ça pique hein. Pas trop mais genre tu sais on fait le serpent. Ça va aller au bout hein. Genre quand on est en relais on arrête de collaborer, on recollabore quand on est en queue de fil. Comme ça ils se disent pas, oh lui il collabore pas. Dans la matrice ils se disent, il est en relais. Oh j'avais oublié ça. J'avais oublié les pavés. En vrai, il est trop bien cette étape. Hein. Bon, sinon, je suis encore en train de réfléchir pour le tour IRL. En vrai, je sais pas si je le ferai en live ou en vidéo. En fait, c'est bien en live parce qu'il y a de l'interaction. Mais après, je vous avoue que le faire en live et être obligé de le faire tous les jours, genre d'attendre le jour même, le soir, c'est galère niveau planning. Surtout si en plus, en début de semaine, première semaine, je vais les trois premières étapes. Ça va être galère. Donc, je sais pas encore si je ferai en vidéo avec un peu d'avance au début et on verra. Oh là là, la gestion mon pote. Et ouais Lilian, t'as pris un seul point. Enfin il y en avait deux mais. Mais non mais De Gand à chaque semi il attaque, arrête mon pote. Oh Bernal. Oh non j'ai pas. Non, non il est là. Oui. Vamos. Tu sais ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire. Est-ce que c'est mon équipe qui roule? Oh, super, je crois que ça attaque. Par contre, Godus, c'est pas à toi de protéger notre ami. On va demander à Reichenbach de le faire. Quoi, attends, non, 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 protéger. Qu'est-ce que je fais? Ok, c'est nickel comme ça. Parfait. Devant. Ok. Calme jeune, il attaque là. Non, c'est Hausson, pas grave, laissons partir. Hop.
T'as envie sinon tu fais une vidéo classique. Oui non c'est ça, je fais tout en live, ça t'es en vidéo. Si je fais genre deux étapes en live puis tout en vidéo, c'est bizarre. Je pense en vrai ça va être plus chiant pour moi et tout, à combler. Mais je pense que je le ferai quand même en vidéo. Et puis ça change rien, il y aura quand même les lives tous les soirs mais. On est en train de partir là, vas-y vas-y on continue, calme. On part. Non attends-moi. Qu'est-ce qu'ils font devant là-haut? Ils font grincer des pneus là. Bernal il est lâché hein. Donc ça c'est bien pour notre petit Godu. Ah y'a la Philippe qui est sorti. Qu'est-ce qui se passe là? Non, je suis désolé. Oh là là, il est trop fort, calme Jeanne. Moi, je veux juste relayer Bernal méga loin. Il a 7 minutes, 2-3 minutes, ok. Il est fort, hein, Bernal. Oui, j'ai pris la barrière, c'est pas grave. Allez! Allez Jack, emmène-moi. À 5 km du but, un homme s'est isolé en tête de la course. La question est de savoir s'il réussira à résister dans le dernier kilomètre. Par contre, c'est pour jouer une deuxième place, je vais retourner dans le peloton et j'irai avec Pinot. Hein. Non? Rentrez maintenant. Ah mais il y a une victoire aussi hein, putain. Où j'irai demain au mur de Bretagne, là j'ai envie de gagner avec Mollard j'avoue. Ça a l'air super ça. On est en train de partir, ok. On a contré. De toute façon, c'est juste pour un sprint de peloton là. Je suis bloqué partout. Rudy Mollard qui gagne. On a fait gagner Mollard, c'est cool. Oh, je suis bloqué partout. Quelle horreur l'arrivée. Hey Thibaut, place-toi. Pas perdre de temps. Oh, quelle horreur. Bon, on va finir dans le peloton. Pas perdre de temps. Ça étonne et de sable. Bon c'est bon, on a gagné au moins. On perd pas de temps là. On a pas repris de temps avec Pinot mais bon c'est pas grave. Pas tenter de faire l'écart à Mur de Bretagne. Oh là là, vas-y, mon ventre il gargouille là depuis tout à l'heure, c'est nul. Bon par contre là niveau maillot blanc, on se met méga bien avec Godieu. Mesdames et messieurs, accueillez. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs. Ah mais oui. Mais forcément. Il est dans dire que tout se passe. Maillot blanc aussi. Regardez, j'avais pas pensé du coup, j'avais pas le maillot jaune en tête en vrai. J'avais même pas regardé les écarts de Calme Jeanne et les autres. Ah ouais, avec 2 minutes sur le peloton, bien sûr qu'on est maillot jaune. Il y a des 18 là. Heureusement on l'a géré Pino, sinon il se faisait lâcher je pense. 2-0-1. Ah ouais, il allait prendre des cassures, c'est sûr. Plus de spectacle. Bah, je pense oui hein. C'est une bonne nouvelle qu'il soit pas là.
Maillot à poids molar. Maillot vert démarre, on est à combien? 33. Et là, bah oui. 3 secondes sur la tour. Bernal, il a 4 minutes. Vu qu'il travaille pour Froome toute la journée et... Froome et Thomas, forcément, il prend méga cher. Ok. Non, c'est juste que j'ai la dalle, j'ai encore rien mangé aujourd'hui. Qui est mur de botline. Là par contre on va jouer avec Pino. Je pense qu'on va même mettre personne dans l'échappée. En tout cas j'espère vous kiffer. La montagne n'est pas encore là. Encore un peu de patience. Étape 5. Encore 5 étapes à attendre avant la montagne. Et merci à tous ceux qui ont lâché le petit pouce bleu, 300 likes déjà. Ça fait plaisir. Salut Vincent. Et Romain, bienvenue. Alors, dommage, pas de bonne forme pour Pino. Godu au pic de forme. Tiens, 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 on va tenter un truc. Bonjour à tous et bienvenue. Pour cette traversée de la Bretagne d'ouest en est, on risque bien d'assister à une explication entre favoris. Avec la double ascension de mur de Bretagne dans la partie finale, les possibilités de grappiller quelques secondes sont bien réelles. Non, là on va rester tranquille, ça fait 3 jours qu'on envoie tout le monde. Même 4. C'est pas grave. Par contre, on va tenter un truc. Je vais tenter de faire attaquer Godu au pic de forme dans le premier passage du mur. Et peut-être tenter de le suivre avec Pino pour avoir un soutien. Je sais pas. On va tenter un truc dans le style. Ça peut être cool. C'est une fixe. Il est en Romain. Je le verrai, il démarre bien sûr. Bon, calme, Jean, il est trop loin, maillot à peau, même s'il prend des points, c'est pas grave. Salut Pilou. La première côte de la journée est classée en 4ème catégorie. Il y aura donc un point à marquer pour le classement de la montagne. Le 19 sort le 4 juillet. C'est tard, mais c'est comme ça. Encore un peu d'attente. Par contre, d'après ce que j'ai entendu, genre, c'est pas. Y a rien à voir avec des problèmes de bugs, de jeu ou quoi. Hein. C'est juste au niveau marketing, je crois qu'ils ont décalé pour que ça soit. Que ça soit, ça coïncide avec avec le départ du tour. C'est juste pour ça, je crois. Salut MCR. Ils sont 6 devant. Oh là là, mais c'est quoi ce placement? On démarre. Non, mais je remonte jamais là. 80ème. Allez, remonte. Bon, c'est pareil, si on doit utiliser du rouge, c'est pas grave parce que là il y a une cassure qui est en train de se faire. Nickel. Ok. Attendez, le sprint il est en montée là. Oh là là, j'ai déjà peur. Là il démarre. On va s'y refumer le cul. T'inquiète, toi qu'un pèse. Oh ça pique. Non, nounou, tiens. Oh, c'est terrible, hein. On fera rien du tout hein, sur un sprint comme ça.
Ouais, allez, salut, hein. Salut les copains. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre Godieu. On va se mettre là. Et là, ça va envoyer du pâté, là. Là, on va demander à Demar de protéger Pinot. Par contre, on en a pris encore du retard par rapport à Sagan, ça me saoule. Et pas côté d'elle sortait le 16 et le 17 juin. Ouais, avant ça sortait tôt. Je sais qu'il y a 2 ans, il était sorti le 15 juin, je crois. Et les vidéos, ils avaient commencé le 3 ou le 4. Par contre, l'année prochaine, il faut s'attendre à ce qu'il sorte tôt parce que le Tour de France commence hyper tôt l'an prochain. Je crois qu'il commence vers le 25 juin, non? Ça doit être ça les dates, ou le 27, je sais plus. Mais ça, il commence pas mal tôt par rapport au JO. Du coup, le jeu, on l'aura plus tôt l'an prochain, normalement. On devrait l'avoir comme, bah, comme avant, entre le 10 et le 15, je pense. Donc ça, c'est cool. Et David, on va accélérer là, tenter un truc. Il est en pic de forme, il peut se le permettre. Valverde. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. D'ailleurs, ça qui accélère, c'est Moscon. D'accélérer, j'aimerais bien attaquer. Bon, on est suivi, hein. Faut pas que j'emmène des. Par contre, là, je fais quoi là? Là, on est pris au piège. Je suis pris au piège par mon propre piège là. Ah mais là je peux pas continuer, je pensais pas qu'ils allaient me suivre les favoris là. Attendez, ça part en steak. Oh là là, Pinot il est méga loin. Faut essayer de faire le jump là. Là il y a un groupe qui est sorti, je pense qu'on a tout fait exploser avec notre attaque. Hey Thibaut. Ah mais non, on est même pas là, c'est un autre groupe là. Oh. Oh mon dieu, non. C'est terrible ce qu'on a fait. Attends. Attendez 2 secondes. Oh, je suis trop dégoûté, ça a servi à rien. Continuer le forcing, mais bon. Bon, on tente, hein, c'est bien, mais. Ouais, 4 juillet le jeu. Tour de France mobile, oula. Non, désolé. On va peut-être voir sur internet, je sais pas. Je sais même pas s'ils ont encore développé Tour de France mobile. Ouah, je me souviens pas avoir eu une étape aussi compliquée sur. Fait péter avec Godieu. Il y a Froome. Malheureusement, personne de piégé. Wow, calmez-vous, calmez-vous. Moscone, qu'est-ce que tu fais, gros? On est loin, hein. Sur la gauche là direct, sinon on montera plus. Ok, nickel. J'ai eu peur, j'avoue, on s'est fait un peu bloquer à un moment donné. Ok, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander
Bon, du coup, j'ai pas trop de rouge, mais bon. Tu sais quoi, en fait, ils vont me faire chier, donc on va tous leur dire de faire ça et de gérer un. Démerdez-vous, les gars, maintenant. Allez, là, le but, c'est de perdre le moins de temps, le moins de terrain sur l'avant. Pas qu'on perd trop de rouge, il y a un coup de trou qui se fait, là. Dans le premier groupe au moins, mais bon, dommage. Martin devant le Verdi, j'ai vu. T'es en galère, hein. On a gagné deux étapes déjà, mais avec Pino. Les maillots bougent pas. Qu'est-ce que vous dites là? Vous parlez de quoi? De la Sky et de Froome? D'accord. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. Bien sûr, la 18ème place. Godu finit juste derrière moi, donc il prend pas de temps, c'est cool. Il y a 10 secondes pour Dumoulin. C'est pas grand chose, hein, mais c'est toujours ça. 28 secondes pour Froome. On peut le modifier, les maillots, Thomas, dans le jeu. Il y a un éditeur. Bon, là, c'est deux étapes chiantes. Chartres et Amiens, puis il y a Roubaix. Putain, attendez, on va regarder, il a combien de pavés, Pino. J'avoue que j'ai pas du tout pensé à ça, là, avec les pavés. Je sais que l'an dernier, putain, avec Martine, on avait galéré à cause des pavés. Des équipes sont 10-18. Non, mais éditeur pour les champions nationaux et champions du monde. Alors. Bon, le problème, c'est que le maillot à pont, on peut pas le défendre là, vu qu'on est en jaune aussi. Donc, c'est pas grave, on va rester sur des marques. J'ai pas regardé sa note, putain, je suis un débile. Je dis que je vais le regarder, deux secondes après, j'oublie. Hein. Vraiment, le cerveau. Hein. Tranquille, et toi, Samy. C'est une honte, Jungle 67 pavés, sérieusement. Ça va encore, c'est pas. C'est pas dégueulasse, quoi. C'est un peu moins que les autres, mais bon. Merde, j'ai freiné. Il est où? Attends, parce que là, il y a Fabien qui me dit qu'il commence plus tard que prévu. Ça tombe, il veut aussi aller jeudi prochain. Oh là là là. Bah attends, mais c'est quoi ça?
Ça va être un oh là, le bégaiement. Vous l'avez vu ou pas? Ouais, c'est sûr. Vous n'avez rien vu, hein. Putain, c'est grave. Il va gagner une TDF. Ah ouais, d'accord. Je vais galérer sur le pavé. Ça va être dur, hein. Mais bon. Je pense en vrai, on va finir tous dans le même temps. Ça n'arrange rien, hein, qu'il se passe pas grand chose. L'écart avec la tête reste stable. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Porte va pas finir le tour. Porte, j'y crois pas. Hein. Porte, j'y crois plus. C'est la fin pour Porte. Hein. Il a passé le moment où il était hyper fort. Si vous voulez gagner un tour, c'était il y a quelques années, peut-être que maintenant. Je pense. On peut avoir des surprises, hein, mais. J'espère qu'on aura des surprises. Sinon, ça va être nul. Thomas tout écrasé. Ouais, je pense pareil. Tout dépendra de Bernal. Vrai, imaginez si Bernal il arrive dès son premier tour leader, il le gagne. Ce serait terrible, hein. Je pense Quintana il aurait le seum un peu. C'est le de Quintana depuis 2013 on l'attend. Oula, attends, j'ai fait quoi là? Je me dégoûte sérieusement, putain. Je lance trop tard. Vraiment, je me déteste. Je me déteste. Je suis horrible. C'est Quintana qui va gagner. J'espère aussi, en vrai, j'aimerais bien le voir gagner au moins un tour. Bon, du coup, je pense que je pourrais. En fait, ça me fait chier. J'ai pas de caméra pour faire des genres de. Pas vlog et tout. Je sais pas, j'aime pas ça, mais. Genre pour vous filmer des trucs là-bas, mais. Je sais pas. En vrai, je pense que je bombarderai sur Snap. Donc, si jamais vous voulez voir des trucs, vous pouvez m'ajouter sur Snap. Ça défile en dessous de ma tête, là, les réseaux, actuellement. Pour jeudi prochain. Sans mention Nania Quintana. Le paro lui convient pas mal. Et j'ai l'impression que si la Movistar. En tout cas, si la Movistar joue tactiquement comme ils l'ont joué sur le Giro, ça peut être lourd. Après, faudra voir. Parce que j'ai jamais vu la Movistar faire un bon Tour de France tactiquement. Donc bon. Oh, par contre, pour reprendre Chavanel et Tony Martin.
pas ton snap. C'est Nicolas D209. Le N et le D majuscule. Pam 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 pam. Bon, ce serait bien de gagner la première ligue des marres là. On a fait 2 une fois, puis on a fait 8. Puis l'échappée est au bout. Oh, le virage il va être décisif là. On prend la roue d'Alaf. Mais c'est pas possible, c'est encore Gaviria comme le premier jour, je pense, il me bat la photo finish. Deux fois deuxième, deux fois la photo finish, enfin je crois qu'on est derrière, je sais pas, il faudra voir avec le lancer de vélo, mais... Ah... Terrible image. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement, voici le maillot, il va... Bon, au moins c'est pas Sagan, on reprend de la, du terrain sur le vert. Première semaine du TDF 18 était archi chiante. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi en voyant jouant le parcours là. C'est terrible. Oh non, il fait 3. Bon. 135, 138, 113. Quand même une trentaine de points de retard. Hein. Bon, allez, dernière étape de peine chiante. Après, on est bon. Voilà, passez vite. Il y a du vent. On espère du vent en vrai. Ce serait bien. F19 avec mon coureur, c'est mieux de faire un peu de chance un grimpeur. Si ça a pas changé, moi dans mes souvenirs, j'ai préféré puncher. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. C'est une étape de plaine qui est au programme. Celle-ci, c'est la bonne. C'est la dernière en plus avant les étapes de montagne, donc sinon il sera hors délai le petit. J'espère pas, mais c'est bon, on a des casques jaunes là. Enfin, des genres de casques jaunes. Ah ouais, c'est dommage, il est pas tout jaune, il y a juste des petits reflets qu'il n'y a pas d'habitude. Côté, oui. Non mais Bornard en montagne il fera rien. Ah, les étapes de plaine. Pas étonnant qu'elles ne passent pas l'entier la télé. Pom pom pom. Il est déjà 20h là. Putain, c'est pas vite. Bon, j'avoue que là, la fille la peine.
C'est quoi ça, c'est King Fantasy? C'est un genre de mon petit gazon pour vélo, non? Je connais pas. Voilà le vainqueur du sprint intérieur. Mais regardez, j'ai pas de chat. Mais putain. Heureusement, ils sont éclatés en descente, hein. Sur les sprints en descente, je sais pas pourquoi l'IA elle fait n'importe. Putain, mais Sagan il fait deux de tous les sprints, vas-y, il me répugne. Hein. T'as pas envie de foirer un sprint, mon pote? Salut Jean, ça va ou quoi? Non, on va le couper en deux. On va faire les 12, on va s'arrêter après les Alpes, donc jusqu'à l'étape 12, l'Alpe d'Huez. Et puis, vendredi dans deux jours, on sera à la fin. Et j'aime bien comme ça, ça laisse une semaine pile avant les vidéos et live sur les prochains jeux. S'il n'y a pas d'embargo, encore une fois. De toute façon, si vous me suivez sur Twitter ou Discord ou quoi, quand j'irai à Paname et tout, je pense qu'ils nous expliqueront tout ça quand ils me donneront les boîtes. Ils me diront s'il y a embargo ou pas. S'ils me disent rien, c'est qu'il n'y a pas d'embargo et que dès que je rentre le vendredi matin, je fais tout. Je modifie les noms, je modifie tout. Vidéo, découverte, les vidéos Pro Team le début, tout ça. Je fais ma petite DB perso sur PC pour avoir les vrais noms. Et on bombarde. Et vendredi prochain, c'est live au soir. C'est vidéo. S'il n'y a pas d'embargo, du coup, live 24h du samedi au dimanche. Vous direz tout ça sur Twitter. Avec P2 ou Jean. Et comme ça, pendant deux semaines, au moins aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont. Allez, il y a du vent ou pas? Il y a du vent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui. Bon, c'est bug et qu'en simule, il n'y a pas de vent, mais bon, j'ai la flemme de jouer 20 bords. Il y en a beaucoup qui sont en mode ouais, je sais pas si j'achète tout ça, comme ça vous pourrez voir s'il y a des bugs ou quoi. Ça vous donnera une idée si vous voulez acheter ou pas le 4 juillet. Il y a trop de bugs, Flo. Ça m'a énervé. Il y a trop de bugs qui gâchaient le jeu. Il y avait des team attacks de temps en temps, là des échappés du coup qui. Je sais pas, on l'a pas encore vu là, mais ça tombe, ça arrivera en montagne. Ça va nous gâcher encore le truc. En pro team et pro leader, il y avait des problèmes de pic de forme, des problèmes de calendrier. Où même si tu fais dernier, t'as 4 heures d'avance sur le deuxième. Enfin, c'était horrible. Yo, mec, ce team. Salut Mathéo. Du coup, il n'y a pas eu de vent vu qu'on l'a pas joué, mais bon. Dès le premier week-end. Bah ouais, mais. Comme d'hab, comme tous les ans, dès le premier week-end. De toute façon, s'il y a un barreau, ce sera le week-end d'après. En vrai, je sais pas, on connaît pas Big Ben. Je sais qu'avec Focus, il mettait un embargo, mais Big Ben, j'en sais rien, donc. Je sais pas s'il y aura Galax. Il y aura Galax. Ce serait marrant. Je sais pas qu'ils l'ont proposé en vrai, donc. Bon, mais après, moi, je me rassure. Je me fie pas aux interviews qu'il fait avec le mec de Cyanide, parce que généralement, tous les ans. Il dit pas mal de faux trucs, genre ils annoncent des trucs qu'il n'y a pas ou que c'est full bugué, donc je me fie pas à ça. Et même au trailer et tout, et même les nouveautés annoncées par Big Ben sur papier, en vrai je me fie à rien tant que je l'ai pas testé moi-même. Je me ferai mon propre avis tranquille de mon côté. Non mais attendez là. Je crois que Garnier il a gagné. Bon, super Chloé, comme toi quand même. Je crois que Garnier il a gagné. Vas-y, c'est honteux, sérieux. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Dre-Amien. Il a su maîtriser ses adversaires. Il sort sur Switch, pas cette année. Peut-être l'année prochaine, on sait pas. Bon allez, fini la plaine.
Si vous aussi vous en avez marre de la plaine, vous en faites pas. Bon, techniquement c'est encore de la plaine ce qui arrive, mais c'est du pavé au moins, hein, c'est pas de la vraie plaine. Et ouais, c'est Guarnieri qui a gagné, c'est honteux. Putain. Bon. 44 points, putain, on galère, hein. C'est pas évident. Ok, ok. Oh, par contre, j'avais pas pensé au maillot blanc. Combien il a de pavé, Godu? J'ai peur, je crois qu'il est éclaté. Poisson pilote meilleur que les sprinters, t'as vu? Voilà, en parlant de bug, ça c'est le bug ça. Tu. Normalement, tu peux pas. T'es pas censé savoir attaquer l'IA et toi, tu peux pas attaquer en prenant le gel rouge. Ton équipe, via l'oreillette, tu peux. Tu leur demandes de prendre le gel rouge et d'attaquer, ils attaquent sans perdre de rouge. Moyen quand même. L'année des sprints était bien dosé, la montagne aussi. Fut un temps, c'était bien dosé dans le jeu. Je crois derrière, il te sort un jeu où ça finit quasiment en peloton. On arrive au sommet, c'est vrai. C'est vrai. Alors, 68, Godu. Yes. Par contre, démarre en pic de forme. Il peut aller la chercher, je pense. Hein. C'est terrible, hein. Aïe, 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 aïe. Il est trop con sur la sprint, ça. Ouais. Mais je pense qu'ils font aussi la journée ça, genre on va arriver. Ça tombe jeudi prochain, on va arriver, ils vont nous faire jouer au jeu pour nous faire voir s'il y a des problèmes ou quoi. On va arriver, première étape, ce sera full buggé, ça va être excellent. On va leur dire alors ça. Et après ça ils vont dire ok, on décale le jeu d'un mois de plus, rien n'est prêt, yes. On va se mettre là. J'en pense quoi? Pour en tant que spectateur, content, mais après, c'est quand même triste pour lui. J'aime pas Froome, mais c'est jamais cool de voir un mec, même avant le début, surtout un mec qui est favori, pas prendre part à la course quoi. Mais bon, après, pour les spectateurs neutres, moi j'en fais partie, c'est le feu. Vas-y, je te dirai comme le. Qui passe. Oui, ils ont encore des armes pour étouffer le tour, mais forcément il y aura la place quoi. Il y aura un peu plus de place. Après, quelqu'un disait pareil que moi tout à l'heure, je vois mal Thomas regagner cette année. Je peux me tromper, hein, mais du coup, je pense que tout dépendra de Bernal. Bonne soirée, Blab. Ah, mais ils sont 19, je suis trop con. Bon, tant pis. Bon, par contre, je vous explique. C'est tendu ici, par exemple. Là. C'est un secteur bien connu des habitués de Paris-Roubaix qui est maintenant of course. De Beuvry à Orchy, un secteur que l'on appelle aussi le pavé Marc Madiot en l'honneur du double vainqueur de l'équipe. Ça pue hein. Ça pue pas mal avec Thibaut là. On va tenter de faire du mieux qu'on peut mais. J'avoue ils ont laissé partir Stavien, c'est pas ouf mais. Part. Oh là là, comment ça roule en plus. Non, vu qu'il y a du lourd devant, ils vont rouler à bloc. C'est pile le scénario qu'il fallait pas. Hey Thibaut, accroche-toi mon petit.
C'est là qu'il faut faire le forcing. Si on se retrouve solo maintenant, c'est la merde. C'est moi ou Guarnieri, mais j'aime plus qu'autre chose là. Qu'est-ce que tu fais, gros? Et au pire, lâche-moi dans les secteurs. Tu me protégeras sur le bitume. Allez, lâche pas les roues maintenant, mon pote. Ah, c'est dur. Non. Ouais, mais attends, frère, comment ça roule? Oh, les gars. Terrible image. Mais attends, c'est que 1700 mètres, j'ai l'impression il fait 3000 km là, arrêté. On est dans quel groupe là? On est dans le groupe Froome. Mais attends, c'est terrible l'étape là. Mais non. Ok, revient. Vous sentez la galère là arriver? À ton rythme. Faut que j'aille à mon rythme, mais il faut aussi que je garde des roues. Si je garde pas des roues, c'est la merde. Si je me retrouve tout seul, là, c'est fini. Pour ça, faut que Guarnieri nous attende. Frère, attends-moi, je t'ai demandé de m'attendre. Mais... c'est terrible. Ça pue. Si on peut rester avec ce groupe, ce serait cool. Et là, c'est que 1000 mètres, ça va. Elle vient ici. C'est trop dur, sérieusement. On a une étape trop dure avec Steven devant qui nique tout, c'est horrible. Reste dans la route porte. Ouais, mais je tenais pas hein, si je reste dans la route porte. On va rester avec Guarnieri là. Je sais pas s'il va pouvoir tenir longtemps, mais j'espère qu'il va carrier. Bon, en fait, c'est Steven qui nique le truc, je crois. Hein. Enfin, en fait, l'échappée elle est trop grosse devant, elle est trop dangereuse, du coup, forcément ça défonce tout. Regardez, même Démar, il perd masse d'énergie alors qu'il est en pic de forme, il a 77 pavés, donc forcément, nouvelle légende, non, ça a pas bougé les jambes. Putain, j'ai l'impression d'être de retour en juillet dernier là avec Martin, quelle horreur. Ce qu'on va faire, je pense, c'est. Il nous emmène sur le bitume et arriver. Là, il va rester dans le trou. Mais comme ça, il peut se reposer. Je pense que c'est la bonne tactique, ça. La bonne technique. Allez, roule. Ouais, enfin, le laisse pas devant, là. Qu'est-ce que tu fais, gros? Oh! Bon, faites vos pronos là, on perd combien de temps là? Mais non, il collabore avec Dupont, mais il le laisse pas passer, débilous! Mais putain, je. Oh.
j'en vois bien. C'est une artillerie. Minutes, super. Okay. 5 minutes sur les favoris. Minute sur Thomas. Non, Thomas en fait il est trop chill sur les pavés. Il a 75 fois. Alex, hé, ça va ou quoi? Quelle galère, putain, ça me dégoûte. Tu crames ton collègue là. Ouais, dans le pavé, ouais. Sur le groupe Room, on est qu'à une muse. Hein. Il y a Dan Martin aussi. Là, il y a Valverde. Là, il y a Bardet. Ah ben, je pense qu'on va pas bien là. Il y a un problème. Hein. Il y a un groupe qui revient derrière. Arrête de marcher, toi. Hein? Oh! C'est quoi ça? J'ai lui coupé les pattes. Enfin les pattes, les griffes, calmez-vous. C'est toi, Newa. Allez, il peut me faire mal un peu là, 400 mètres, c'est pas grave. Le problème, c'est que Guarnieri, à un moment donné, il sera plus là. Ça, c'est un problème. Son chien, une croisée. J'ai peur le moment où il va tomber en fringale, mon dieu, quelle horreur. Parce que là il carie un peu quand même. Hein. C'est parti pour le secteur 4. De 6 mois pour Gaël, on a 1300 mètres de pavé. Je pense qu'on va essayer de revenir devant, non? Sur le groupe de 8 là. Kilomètres, il est que ouais, mais au moins il nous aura amené jusqu'aux 20 bornes sans qu'on utilise trop d'énergie non plus et sans perdre trop de temps. Ça va encore qu'on est pas, on est loin, hein, mais allez, voilà, il est cuit, tant pis. Allez, c'est parti, à nous faire le taf maintenant. Faut qu'on essaye de revenir sur le groupe de devant. Et Neymar, il va se retrouver avec Sagan. Faut qu'on essaye de suivre Claes. Neymar, il a l'air fort devant. Oh. Oh, trop lourd. Oh, ça par contre, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Hein. Il va essayer de récup en plus, Guarnieri. Oh, ça vraiment parfait. Il y en a forcément quelques-uns qui vont rouler normalement.
reste quand même loin, mais je vais prendre le reste de mon bleu au pire. Je pense qu'ils sont dans le pavé là, non? Les pattes, mais non, les ongles, la même chose. Un angle arnier relâché, j'aurais aimé le faire rouler là. Ah, c'est que là, je peux pas rouler tout seul. On a toujours 1 minute 20 à peu près sur Froome et 2 minutes sur Bardet. On limite un peu la casse quoi. Pas évident. Bon, au démarre, on a fait le trou, c'est cool. Par contre, faut qu'il essaye de revenir là sur le groupe Steuven, Chavanel, Alfredo, au moins pour récupérer dans les roues. Voilà, Claes qui roule. On va lui donner son gel à Nuno. Je redémarre mes pinots à 70. Je le mets en garde des positions. Mais en fait, non, je préfère. Attendez, on va passer le pavé avant. On va passer qu'enfin en PVL et après on passera sur démarre. Allez, faut tenir là. En fait, j'ai peur que si je passe, il fasse l'IA, il fasse des conneries, il se fasse distancer tout seul. Allez, allez, tiens bon. J'ai pas mis tous les notes, les favoris avec les mêmes notes pavées. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Allez, tiens le. Non. En vrai, là, je suis avec porte, non? Je sais pas quoi faire si je passe sur Nono. Ah, mais je voulais accrocher la roue. Ok, ça se regarde, ok, bon. Nono, viens ici. Il y a que 20 secondes, hein. Faut revenir direct. Il restera dans le groupe, on n'a pas la force pour faire quoi que ce soit d'autre. Allez, faut direct revenir sur le groupe là. Limite, on fait le jump. En tout cas, on a bien fait d'attaquer là parce qu'il y a une 40 par rapport au groupe. Et niveau vert, là, si on va chercher la victoire, on se remet giga bien. Ok, on est revenu sur Chavanel, Alfredo, Steuven. On est bien là. On se met dans les roues un peu. Fatigué peut-être. Pff, le virage, il a fait le même virage de moto avec son genou, c'est fou. On en a éliminé deux. Polite et Steuven. Ça se passe bien mon ami. Ça se passe bien. Pour le plus rapide, c'est Steuven, je pense. Tire mieux que tu tures, super. Ah non, là je prends pas de relais, ça sert à rien, je suis meilleur au sprint. Par contre, j'ai bien fait d'accélérer parce que Sagan et Van Mark ils reviennent fort et Sagan. C'est dangereux quoi. Eh, il revient bien le groupe Pinot là. Il est revenu à 1 minute de Froome. C'est cool. Parce comment là, Mollard? Ah non, Godu. Oh.
mets souvent l'oreillette pour regarder, mais c'est important quand même. Une 30 sur Bardet, non, 2 minutes sur Bardet et une 15 sur Froome. Par contre, il y a des favoris là. Oh, Thomas, c'est cheat, trop glitch aussi. Donc, que de groupe, hein. Je passe plus, hein. Derrière, il vient pas quand même, même si. Ça sera revient, mais c'est pas grave. Là au sprint, normalement, et ouais, mon pote. Et oui, la victoire sur l'étape des pavés avec Arnaud, et ça, c'est bien. Yes, 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 yes. Devant qui? Je sais pas. Oh, 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 terrible, terrible, je viens de voir la barre rouge. Oh non. Oh, qu'est-ce que t'as fait, gros? Vite, vite. Pourquoi ton fringale sur du plat, connard? Vraiment, regardez, les gars, comment ça gère, hein. Là, si on... Bon, après, on veut jouer sur tous les tableaux, mais si on gère pas avec Pino... On reprend Mastan devant. Pino, il est où? 5,43. Oui, il faudra le PS Plus et le Xbox Live sur, pour le multi. Quoi? Il y a une faille, ok. On a rien vu, hein, pas de téléportation, rien. Après la mauvaise rouille, ça a arrêté cul sec, super. What the fuck? Quoi, what the fuck? T'as rien du multi. Ça peut être le multi d'année, comme je dis, mais ça peut être fun. Faut juste que les serveurs soient bons, quoi. Si les serveurs sont bons, on peut s'amuser. Bon, allez, vous en avez chié, vous avez sué avec votre front de voir toute la plaine là pendant 9 étapes pendant 2 heures. Mais non, c'est les 3 Alpes. Et là, on va circuler, on va attaquer de partout, on va reprendre du temps avec Thibaut. C'est du Corix. Arrêtez cul sec. Quoi? Bravo les gars, félicitations à vous. On était même pas parmi les outsiders, vous vous rendez compte? Bravo pour cette victoire. On a perdu le maillot jaune, c'est la déception du jour. On va faire le point, mais. Ouais, Sagan qui a craqué, il fait que 6ème, nickel. Bon, attendez. Pino, 5,42. On a vraiment pris 4 minutes sur Thomas. Dumoulin, Nibali, Roglic là. Super. Nice. Sur Bardet, on prend 2 minutes 30. Pareil sur Valverde. Sur Froome, on prend une 11. Et sur Martin, on prend 50 secondes, 51. Et 5,46 à se prendre. Remontada ou pas? Vous pensez que c'est possible là ou pas? Ça fait peur quand même. Hein. Portier long aussi, 5,16. On a pris le vert, ça c'est bien. T'as une 23, ouais mais c'est n'importe quoi là. Franchement la gestion de l'étape pavée sur ce jeu elle est horrible. Peu importe le corps que tu prends, t'as l'impression toi tu es obligé de prendre 4 minutes. Et par contre l'IA c'est nickel, ils suivent les roues des Sagan et tout, easy, c'est n'importe quoi. Bon, c'est parti, le Grand Bornand, la Rosière. Je pense, salut Panda. Je pense on va partir avec
On va partir avec notre petit maillot blanc Godieu, non? Des nets. Bah attends, c'est quoi cette connerie là? Ah, c'est une autre playlist. Oh non, non, on sait jamais. Ah, Quintana, super. Yes. On va partir avec Godieu. Je pense qu'on va, on va jouer double jeu, genre. On va jouer échappé et maillot à poids, donc pareillement maillot blanc avec Godieu. Et on va garder Reichenbar à nos côtés. Ça peut être cool. Ouais, c'est plutôt cool de revenir un peu. J'avais simulé hein, sans partir, hein. Quelle honte. Heureusement j'ai arrêté. Eh hey, mon petit David. Allez, sur les 3 étapes, combien de victoires avec David? Dites-moi tout. Moi je pense qu'on pourra en gagner au moins 2. Allez, au moins une, si on en chope au moins une avec Godieu en échappé, ce serait cool. Putain, il est tout petit hein. On dirait un U16. Honteux. Attends, j'ai pas lâché le peloton là. Mais vas-y, c'est honteux, Godieu, fais un effort, mon grand. Oh. Mais wesh. Oh, le peloton. Ah, c'est bon. C'est nous tranquille. Ça a l'air bon, non? Nice. Merci la Sky. Avec leur casque jaune là. Amener du jeu TDF. Le 16 était cool. Après pour moi, après ça, c'est juste en rapport avec YouTube, c'est le 17 hein. Parce que le 17 il était bien, il n'y avait pas trop de bugs. C'est pas la révolution hein. Mais en soi je pense il était moins bien que le 16. Mais le 17, celui qui m'a fait exploser un peu sur YouTube et tout. Donc je pense je dirais le 17 quoi. Quand même. Après rien à voir avec le jeu en lui-même, c'est un tout. Ok, on est parti. Est-ce qu'on va avoir le maillot à poids avec David? Nous sommes 13 à l'avant. Viermo, Freyle, Maika, Nieve, Powells, Martin, Navarro, Sicard, Roland. C'est cool. Allez, j'ai ça. Bon, c'est que 2 points, mais on va quand même le faire. Il y a combien d'axel le petit Godieu? Virage à l'épingle. Et c'est good. Nickel. 2 points. Guarnieri, oui, on va. Tu sais quoi, on va protéger. Hop, et Reichenbar. Voilà, avant la montagne. Tranquille. Je pense que vous avez tout. Ça va être toi le Marseillais. Super sage. What? Mais c'est quoi ce pays? Wesh. C'est quoi ça? Il fait tout bleu et d'un coup comme ça l'orage. Hop, la drache, il fait tout gris. Bah nice. C'est ce qu'on aime ça. Un plaisir. C'est le pire. Ouais, après il y avait les sprints sur le 17, mais en soi, à part les sprints, ça va. Hein. En fait, le jeu niveau. J'ai cru qu'ils attaquaient. Le jeu niveau contenu est bon. C'est juste les bugs qui cassent les couilles. Il y a les problèmes dans les menus et tout. Hein, genre, les bugs qui te font que ton pro team et ton pro leader sont foutus. C'est chiant. C'est ça qui a niqué le jeu.
10 points là. Quand même 44 points tout en, sur l'étape. Pas se louper. Alors les choses, ça me dit un truc. Oh par contre, oh là là, j'ai laissé toutes les fenêtres en bas ouvert. Oh, oui, oui. Et au sommet, je vais mettre pause, j'ai direct allé tout fermer. Honteux. La honte de la Belgique. La petite impulsion avant la ligne. On passe deuxième, je crois. Ouais. Vite! La maison ne prend pas l'eau. Tout a cassé. Ok. Alors bonjour. Je suis un boulet. J'avais laissé la porte derrière ouverte. Et qui sait qu'à la cuisine remplie d'eau. Yes. Je regardais si j'étais pas mute. Si la montée du plateau des Glières est très raide, de 11% de pente moyenne, elle est aussi très atypique, avec sa route étroite et son sommet sans bouge. Vous êtes à 2 km du sommet, observe ses adversaires. Mais il se passe quoi là encore? Je pars 1 minute 30 et ça y est, ça part en couille. Yes. Salut Elliot. Par contre, ça roule derrière, hein. J'ai déjà donné le gel bleu, tu sais quoi. Il y a la zone de ravito après, pardon. Peut-être plus même essayer d'anticiper et utiliser mon rouge là. C'est bon là, on va prendre 10 points. Nickel. Enfin, ça va. D'accord. Trop stylé ce chemin de terrain. Ok. Oh, démarre s'il pouvait passer. Oui, allez, Nono.
Oh là là, il est passé. Quel bonheur. Ah tiens bon. Allez. Non. J'ai demandé à... Bah faut plus l'attendre hein. Il a demandé à Ludwigson de l'attendre et de rouler pour lui mais bon. Allez faut que tu tiennes mon grand. Combien de retard au GC? Au CG 5,40 ED je crois. On a pris cher sur les pavés hein. Ça pique. Bon, l'échappée a explosé, il y a un groupe de 5 qui est définitivement mort. On passe 2, ok, c'est pas grave, il y a que 2 points là au pire. Démarre. Non mais démarre, fais un effort aussi. Qu'est-ce que je fais? Combien? 5,23. Oh terrible. Ça va être dur hein. Faut vraiment qu'il donne tout là Ludwigson. Et Tobias, on te fera une statue au loco FDJ là. Ah, vous pensez ça passe ou pas? Ah non, pour une minute. Oh, je suis dégoûté. Tant pis. Bon, on aura tenté. Dommage. On va repasser sur Gaudi du coup. Et l'enchaînement final. Bon, on va essayer d'aller chercher la victoire. Il y a 3-20. Hein. C'est pas non plus la folie. Régale mon Lascar, c'est un vrai délice. Merci beaucoup, Jean. T'es pas à mettre des GG dans le chat pour Jean. Ça fait plaisir, mon pote. Merci du soutien. On est bon là pour le moment. Est-ce qu'on tenterait pas d'accélérer avec Godu? Ah, pour le moment, tu sais quoi, on va rester dans les roues. Prends pas de cassure quand même. Ok, Roland et Solaire de lâcher, il n'y a qu'une 30 hein. Ça se joue à rien pour l'échapper. Mais je pense vu que ça se termine en descente, il y a peut-être moyen. Donc ça va pas rouler comme ça jusqu'au sommet dans l'échapper. Ok, ça attaque. C'est Guillaume Martin. Il y a un euro ça. On va faire 5-6 non? Quoique sans bleu, je sais pas. Une dizaine, aucune idée. Environ 5 euros, bah ben voilà. Jean qui régale. Ok, c'est fini pour Frehley, on n'est plus que 7. Est-ce qu'on va essayer d'accélérer sur le sommet là, avec Godu? Ça, on va prendre tout bleu. Pino, ce serait bien qu'il prenne pas de le gel maintenant. Placer une. Je sais pas si c'est la bonne technique, la tactique là de tout donner maintenant, mais. J'ai pas vu.
ça roule hein, la Sky. Bon, l'échappée irait au bout. Godu va prendre les points. Ça se regarde un peu dans le peloton, c'est nickel. Ok. La Goduquet devant 3000 d'avance. Il y a Navarro de lâcher avec Freyley. On va gérer à l'oreillette hein. Le principal ça reste quand même le général. Ok c'est parfait. 7 km 4 c'est pas le plus long hein, la Colombière. Alex. Megatub à Maxence en live. Oh bah super. Et Nico. Quel riche ce genre. C'est Tariq qui dit ça, j'avoue. Mais qui gagne 100 euros par jour grâce à son pari là. Quelle honte. Combien encore sur le Giro? Rien que sur le Giro en 3 semaines, 3000. Putain. Allez, c'est passé, hein. Protège-nous. Bon, c'est pas la meilleure des étapes pour faire des écarts, mais. Pirouette. Et du coup, je disais à Tuture, Alex, il s'en fout du bac là, il a déjà raté. Qu'ils viennent, hein. T'es d'accord? On est tous d'accord ici, pour le dire. Ça sert à quoi d'y aller si c'est pour rater? Honteux. Bah super. On va le faire attaquer Godu devant. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Ok. En tout cas, je vais prendre tout mon bleu maintenant. Dixième étape là Thomas. On a pris méga cher sur les pavés. Oh Godu il a fait l'écart là c'est bien. Vas-y mon David. Allez David là. Du soutien pour David dans le chat. L'attaque de Martin il est loin en général il faut le suivre. Allez les deux loin qui attaquent. Pozzo. J'allais dire pourquoi c'est pas Nibali. Et Daniel on est les deux qui ont pris cher avec Porte. Ça fait on est 3, pas 2, yes. On a tenté mais on a perdu de masse bleue hein. Bah super. Oh Froome qui roule, Froome équipier de Thomas, quelle horreur. Terrible image pour nous. Il n'y a plus qu'une minute pour Godu devant. Putain on tente hein. D'ailleurs ça va faire comment Nirel, le seul en tenter qui va se faire niquer. Freyley. Bon, faut qu'il fasse l'écart, ça va aller au bout, hein, 50 secondes. 4 juillet. Les jeux. Je vais garder un minimum d'énergie pour tenter l'attaque dans le dernier kilomètre. Il a refait un mini trou, là, c'est bien. Hey David! On croit en toi! Vas-y, mon pote! Qui croit en David, là? Qui croit à la victoire de notre David National. Enfin, votre David National, du coup. Mais, vous avez compris.
Il y a 30 secondes hein. David il est là. On a bien géré avec Gaudieu. C'est horrible, oh non. Et du coup je me fais contrer. Terrible image hein. C'est terrible ce qui vient de se passer là. Je vous ai dit quoi, le seul qui tente qui va se faire niquer hein. C'est terrible. Il y a Guillermo qui revient quand même. Avez-vous déjà vu Thibaut faire une si belle descente? Je ne crois pas, non hein. Et derrière, il y a 40 secondes. Bon, au moins, ça n'a pas été en vain, notre tentative, là. L'écart avec la tête ne bouge pas, les gars. Nickel. Allez, je tuture. La vue. Allez, David! On le voit pas, mais il y a une légère remontée sur la fin. Qu'a tué le jeu? Il y a 50 secondes par rapport à Dumoulin. Laissez-moi tranquille, hein, on exploite les bugs. Hein. Il y aura peut-être Steve aussi du coup, vu qu'il habite à Paris. Guillermo qui revient. Il va gagner quand même Gaudieu. Oui David, il l'a fait. Il l'a fait mon David. Et on va reprendre une minute sur le groupe du Moulin. Bonne étape, victoire de David. On reprend du temps avec Pino sur certains favoris. Et ça c'est beau. Oh là là. Bonjour Benji, comment ça va?
Par contre, du coup, si tu tures, parce qu'il va recevoir les codes le 20, lui, nous, vu qu'on va rentrer chez nous le 21, mais il sera là avant. C'est une honte, c'est pour ça qu'il vient pas tuer, c'est sûr. Cette étape est pour lui, il a été le plus fort. Voici le 20, dire que il joue. Bon, on reprend pas le blanc apparemment. Sûrement que Bernal était bien placé, j'ai pas fait gaffe. Sûrement dans le groupe du Moulin en vrai. Bon, la victoire sur les Trois Alpes avec le petit Godu, elle est là. J'espérais bien qu'on joue le premier rôle, mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot vert, c'est bien les gars. Je sais pas, il est où? C'est moi qui suis aveugle ou il a 3,52? Il a tour à 4,06, d'accord. Bon, général, du coup, on reprend un peu de temps, petit à petit, hein, on revient. maillot à poids Godu, c'est bien. Maillot vert Demar, c'est bien. Maillot blanc Binout, 29 secondes. Meilleure équipe, Moistar. Combativité, calme jeune. Ok, nickel. JRL. Non mais moi j'ai pas d'un truc, c'est que vous faites tout ça maintenant lente, moi je suis 1m70 là, c'est honteux. Super. Bon, en fait, je viens pas, j'annule tout. Ouf. Ouf. C'est dommage, je suis pas sur l'Alpe. Mais. On est pas mal. Bon, j'espère qu'ils vont laisser repartir. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une étape compacte mais intense qui débute aujourd'hui pour les coureurs seulement. Alors, moi, je me le fais 1m76. Je vais arriver. Je vais devoir le regarder comme ça, Alex. C'est magnifique. Pas une échappée, je suis pas assez loin pour partir en échappée malheureusement. Il y a le maillot blanc, j'ai la haine. Putain, duel pour le maillot blanc, il est là. En plus au maillot blanc il y a que 29 secondes d'écart. Bon. Yotam. Alors ça va tenir. Ouais, je veux pas rentrer quand même un homo, c'est tranquille. Super. Je vais pas savoir. Oh, calme-toi. Déjà que je vais te tenir la chandelle là, à ce que j'ai compris. Super, hein. Jusqu'à l'étape 12, là il reste deux étapes. C'est dans cette deuxième partie de la montée de Bizane qu'on retrouve les pourcentages les plus raides avec des pentes. Vous êtes détraqués, j'ai juré. Super. Pourquoi tu comptes filmer toi, Alex? Moi je sais pas, hein. En fait j'ai pas de caméra, si je filme ça avec mon téléphone ou avec ma GoPro, mais la GoPro c'est genre ça étire sur les côtés, ça fait une genre de bulle, c'est bizarre. Je sais pas, c'est pas fou. Alors comme d'hab. Non, pas démarre. Okay. Une grosse échappée là encore. Hein. Encore en pile de forme Godu. Vite, il lâché. Allez,
traversé mon tête, donc je le vois pareil. J'allais leur demander s'il faut ramener, genre si je dois ramener une caméra, genre la caméra accrochée à mon PC ou quoi, genre si on peut filmer du PC ou quoi, mais en fait, vu qu'on va avoir les jeux, ça rien, ça change rien. Donc bon. Démarre, il va passer, mais on est trop devant. Ouais, de 11, 14, on est 16, ça sert à rien. Dommage parce qu'il était passé hein, pour les points du sprint. Plan 3, Alex, mais vous êtes chelou, vous voulez les lâcher moi. Des malades. J'ai peur. Attention, je vais éternuer. Bonsoir, campeur YouTube. Ah, ah non, ça vient pas, terrible. Bonjour à tous, le live de monsieur Styros. Il y aura des points pour les 10 premiers au sommet du col. Le premier marquera 25 points, alors que le 10ème n'empochera qu'un point. Ah là là, cette moustache. Enfin, je vais l'avoir jeudi prochain. Par contre, faut que j'aille quoi faire du coup. Faut faire tout beau pour Paris là. Oh, c'est quoi ça? Il y a une touffe sur la tête. Et du coup, t'as les commentes au loco. Je sais pas si genre faut mettre chemise et tout. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai jamais fait ce genre de truc genre. Ou alors t'arrives, tu t'en bats les couilles, t'es en training sur bête. Je crois que j'ai lancé trop tôt. Ah oui, 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 lancé beaucoup trop tôt, malheureusement. Terrible image, on va passer deuxième quand même. Ok. J'ai pas vu une envie chou. Non. Non. Qu'est-ce que je fais? Wesh. Tu peux rentrer toi pas? 6-14. Pas que je fasse l'erreur de donner j'ai la pino, y'a pas de. Je prends une veste de costume avec une chemise. Oh terrible, putain c'est fou ça, moi j'ai qu'une chemise. J'ai même pas de veste de costume, j'ai rien. Je m'en branle. Je crois que je vais juste mettre t-shirt, petite veste, et je m'en branle. Je suis sûr de. Bah, tu me dégoûtes, hein. Sérieusement. Mais attends, mais ta meuf, elle va aussi tester les jeux du coup. Putain, c'est terrible quand même, hein. Juste grâce à toi, ta meuf, elle est plus chanceuse que tous les gens qui attendent TDF. T'imagines quand même. Parce que Gretchen Barre, on va demander de protéger Thibaut. Nice. J'ai été gêné à cause de la notif, j'ai raté mon sprint. Et ouais, c'était sûr. Putain, j'ai la haine. Tant pis. Ok, 5 minutes, ça risque d'aller au bout encore, hein, donc on va tenter tout, de toute façon, là, Pinot en pic de forme, si on tente rien aujourd'hui, je suis une zoulette, hein. Clairement. La montée vers la station de la Rosière débute maintenant. Bien cassé. Ah ouais, t'as quel homme, il va laisser, ça me fait l'hôtel pendant qu'il joue à TDF. Par contre, mec, tu vas devoir me protéger, hein. Moi, Siani, ils vont m'attendre avec des battes de baseball, hein.
va être terrible. Je pense que faux plan, on peut simuler. Perd un peu d'énergie, mais c'est pas grave. Il est terrible ce col, il pue la merde avec ce faux plat là juste avant. Lignotis se fait lâcher. Ok, c'est parti. 10 km de rosière. Vamos! Vamos, chicos! Chaîne barre, on m'a déjà donné ton gel. De toute façon, que tu le prennes maintenant après, mon pote. J'ai envie de dire. Change rien. Lui, s'est fait lâcher par Nive et Maika. Il va monter à son rythme. Tranquille. Il a le gel, il est en pic de forme aussi. Qui roule, on est plus que 27 hein. Bino petit chien, par contre ça me fait chier pour le maillot blanc. PB gagne pour le premier vite. Tu vas leur donner 2K des 4K de Giro, c'est ça? Je tente maintenant ou j'attends, parce que là en fait il y a encore trop de coéquipiers, je pense. Tranquille, toi Kevin. En fait, il suit l'allure, c'est pas ce qu'il faut là, Godieu. Faut qu'il se mette tout seul et qu'il monte à son rythme, sinon il, en suivant les roues, il va jamais rien faire. Ok, nickel. C'est vraiment multijoueur, yes. Par contre, hey, juste pour ça, Big Ben, c'est des frères. Hein, parce que, en 4 ans, jamais une fois, ils avaient organisé un truc pareil, s'il y a ni des focus. Hein. Et je suis sûr, s'ils organisaient un truc, c'était en mode, tu te démerdes pour venir, hein, mon pote. C'est juste, tu viens chez nous et après, tu te démerdes. Hein. Alors que là, frère, tout frais payé comme ça. J'ai l'impression d'être un youtubeur à 500k là qui est invité à des trucs par des éditeurs. Quel plaisir. Tente des choses, hein. Sur Nive et Mike petit à petit. C'est tellement de force à attaquer comme ça. Il y a encore trop d'équipiers en fait. Putain, Thomas, il a encore Bernal et Froome. Okay. On attend là. Tant que Christian Barrella, on reste dans sa roue. T'es quoi? Faut tenter ces gros pourcentages là. Après, ça sera un peu plus simple. On tente pas maintenant, on tentera jamais. Cela portait nos couilles ici, c'est incroyable. Allez Thibaut! Faut l'encourager là Thibaut!
tout droit vers une victoire en solitaire. Ok, c'est relayé. Godu, ça va être juste pour reprendre Michael. Malheureusement, il va faire deux. Ça va, il fait des. Des bonnes pour le moment. Ils reviennent fort derrière. Moi, je suis en train de flancher un peu. Ah ouais, mais putain, je suis seul à tenter. Il reste dans les roues, ça me saoule. J'ai trop d'équipiers la Sky. Ça va être terrible, on va finir avec eux, hein. Bon, Godu devant, il va faire deux. Allez, faites des fringales derrière, s'il vous plaît. On va quand même reprendre du temps, là. Oui, on va reprendre du temps. C'est bien, Sapino. C'est bien, Thibaut. Grosse étape. Grosse étape. Oh oui. On va le faire. Fait 2 avec Godu devant. Il fait 1 et 2, on reprend le blanc normalement avec Godu. Ouais, c'est son attaque aussi. Avec Pinot, on a tenté, ça a payé. Oh, le Real, ils viennent d'annoncer Ferland Mendy. Putain, le mercato qu'ils font, c'est incroyable. Il y a Godu t'attendre. C'est vrai, mais bon, je jouais sur plusieurs tableaux, donc... Benjamin le sent. C'est le frère, Benjamin. On va arriver, on va lui faire des gros câlins. Yes, Nomo, bien évidemment, mais tranquille. Mais gros, tu parles de tout, fais-moi ce que j'ai sur la ganache. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la vise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Arnaud Demas. Il est en tête. Il est en tête. Ok. Bon, la dernière étape de live, les gars. Ça a été bien long en vrai, 3 heures. Je pensais pas que ça allait être si long pour faire 12 étapes. Putain, les Français, 2, 3, 4. Barguil 3, Alaph 4. Pino, on reprend combien? Sur Thomas, on reprend une vingtaine de secondes. Sur Roglic, une quarantaine à peu près. Pareil pour Nibali Dumoulin. Bardet, une minute. Ouais, on a bien joué là. On a pris du temps. En général, on remonte. Et ouais, top 10, mon pote. 5.32, on repasse devant Froome. Devant Martin. Devant Porte. Sachant que je pense à Alaph, Fugel, Jungels, on rattrape facile. Maintenant, faut remonter sur Dumoulin, Bardet et tout. Hein. Faut espérer avoir une grosse forme sur l'Alpe. Godu, ok. Maillot vert démarre, toujours. Maillot blanc Godu, 21 secondes d'avance sur Binout. Ok. Parfait. Il y a un décalage son. Ah oui. Vous me dites que maintenant, après 3 heures. Bah super. Nice. On va commencer. C'est parti. Et j'espère qu'il vous aura fait plaisir ce petit live sur TDF. Je sais que vous me demandez, oui mais arrête, PCM, où est TDF, depuis septembre on attend, c'est honteux. Et j'espère que vous kiffez. Enfin, ça fait plaisir, vous avez tous lâché le petit pouce bleu, 400 likes, de dépasser bientôt, ça fait plaisir. Alors comment ça, petit décalage, cam. Le son arrive avant ma bouche, genre un, ou après ma bouche. C'est très bizarre comme question, mais... Normalement là ça doit être mieux. 1, 2. Parce que je suis un crack.
Attendez, on va couper la musique des ondes. Je vais regarder. Vous allez avoir un écho là, c'est normal. Oh là là, je suis un crack. Je suis vraiment un crack, hein, c'est incroyable. Pouah. Voilà, et voilà. Vous me dites, hein, je règle tout ça. Je règle tout ça pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Une arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez, ça fait rêver tous les grimpeurs du monde. Il n'y a plus aucun décalage. Oh là là. Sans ambition au classement général. Ils feront leur maximum pour tenter d'écrire peut-être la plus belle ligne de leur... Faut remettre la musique. Débilos. Alors... Déjà, juste un truc. Est-ce que Godu va être... On va le laisser partir, il est 19h à 9 minutes quand même. Je pense qu'on va faire partir Eschenbach un peu. Non ? Puisque Godu en mauvaise forme. Il a fait des points. Certes, il y a pas mal de points, mais bon, il peut pas partir tous les jours non plus. C'est quand on va faire attaquer Eschenbach, Godu va rester à nos côtés aujourd'hui. Et on va faire attaquer Demar aussi. C'est revenu. Moi je veux juste partir dans l'échappée et que Sagan ne soit pas là, comme ça on prend 20 points et lui on prend pas. Ouais mon pote, tu tiens. Et la tactique va payer. On va prendre 20 points et aucun pour Sagan. Minality. Bon, normalement, là, on prend facile les points. On va passer, mais on est à la lutte avec Erada, là, vraiment. Au démarre, réveille-toi, mon pote. Ok, tu te relèves. Eschenbach t'attaque. Demar t'attend. 20 points de plus, on prend 22 points d'avance, ça c'est cool. Nickel. Nice. Hop. On va quand même jouer les points, je pense, avec Eschenbach pour dire de défendre notre poteau. Bon, on y va prendre cher Godu en mauvaise forme. Oh, terrible les délais. Oh non, ça roule de fou dans le peloton. Oh, mais attends, il y a Valverde. Il y a Valverde, il est à 6 minutes. Des malades mentaux à sortir maintenant. Faut suivre là, faut suivre le contre. Il y a Yates aussi. What the fuck, c'est quoi cette échappée? C'est quoi cette étape? Mais Valverde, qu'est-ce que tu fais gros? Il y a le ravito juste après, donc autant utiliser maintenant. D'ailleurs, oh là là les délais, oh non. Ok. Mais c'est terrible Valverde. Qu'est-ce que tu me fais? On part sur une étape de fou là. Peut-être tant qu'il y a Valverde, ça va se regarder, ça va revenir derrière. Et Valverde, quand ça revient sous la minute, il attaque.
bien fait de sortir là, je crois. Non, le RD il est chaud, il fout le bordel là. Ok, on a repris Valverde. J'ai envie de tenter un truc, mais c'est suicidaire un peu, non? L'avant de la course est à 2 km du sommet. Vous savez ce que j'ai envie de tenter en vrai? L'accent parisien avec mon accent, l'accent belge. C'est terrible. Je sais pas ce que ça va donner ce qu'on fait, mais bon. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire. Est-ce que vous pensez que ça peut se tenter, ce qu'on est en train de tenter là? Je sais pas. Hein. Faut leur demander de faire la descente à front. Je vais mettre dans la route de Reichenbach. Tenez le gel derrière. Faudrait que Mollard y revienne, une 44. Pas envie d'attaquer. Mort, c'est du suicide. Autant tenter, non? Vous n'avez pas le spectacle, vous? En soi, on n'a pas utilisé d'énergie, nous, avec Pino, donc... Ah, merde. Bon, tant pis, on aura tenté. C'est pas grave. On va récupérer Mollard. Voilà. On va passer 2 secondes sur Godu pour les points. Ouais, il reste trop d'équipiers, c'est dommage, mais bon. On pourra retenter dans le prochain call. Pestac, c'est super. J'ai vraiment dit ça. Ok, on est suivi par Guillermo pour les points, j'imagine. Voilà, oh, Alaf aussi. Ça va être Alaf notre adversaire. Hein. Ça va être dur parce qu'il est une axelle de fou, Alaf, sur le sommet. On va retenter, tranquille. Et puis on n'a pas utilisé masse énergie, on était dans la route tout le long. C'est comme les favoris dans le peloton, donc ça va.
On est en train de placer Gaudu à l'avant là en plus. Ouais, je sais Alexandre, mais bon. En fait, la tactique, on l'a essayé trop tard, on l'a fait à 2 km du sommet seulement. Si on voulait vraiment faire des dégâts, il aurait fallu le faire plus tôt. Regardez, en le faisant à 2 km du sommet, on a pris une minute. Hein. Je pense qu'on le fait plus tôt. Les équipiers des leaders sont crevés. Après, forcément, ça, il y aurait eu du flottement, les légers. Forcément, ça nous aurait aidé. Ah ouais, l'Axel. Ah, bien joué. Collabo. En fait, je sais pas si ça roule là. J'ai l'impression que ça roule. Ouais, ça roule un peu. L'écart est en train de fondre avec le maillot jaune. Les échappés auront du mal à aller au bout. Ah, pas de ouf, hein. En fait, on n'est pas encore dans la croix de fer là. Faut attendre un peu. Ça sert à rien de se cramer maintenant. Ça sert à rien de le faire trop tôt non plus, parce que là il y a 20 bornes encore, hein. Pas abusé non plus. Si je suis attaqué, tu sais quoi, on va le faire attaquer maintenant. Allez hop, juste avant la descente là, c'est bien. Voilà, monte à ton rythme, ne prends pas trop cher. Ah, il accélère hein, dès qu'il y a Rechen Bar devant. Ok, il a pris une minute quand même. Ok, il a quand même réussi à faire un petit écart. Devant, ça va, il garde bien son énergie. De toute façon, s'ils utilisent leur bleu, c'est pas grave. Hein. Ok, là on est dans le plus dur, quasiment. On va attendre encore un tout petit peu. Ok, c'est bon, on va tenter maintenant. Ouais, Chazrod, ça va ou quoi? J'ai regardé ta vidéo sur MotoGP, j'ai bien aimé, c'était cool. Bon, j'achèterai pas parce que j'aime pas la moto, mais j'ai kiffé. Là, mon pote. Oh, ça, nice. Yes. Putain. Le premier au sommet empochera 25 points supplémentaires pour le maillot. Ouh, Bernal en fringale là. Ok. On a Gaudu devant, ils vont nous servir de relais, regardez. Bon, on tente des trucs là hein, aussi. On est le seul à tenter des trucs. Et Sébastien. Oui, ça paye. Allez mon pote. Allez, c'est bon. Il y a un petit écart qui a été fait. Maintenant, il faut plus lâcher là. Bien que je vérifie le bleu. Il va pas tarder à tomber en fringale là. Parfait.
Kachenbar, merci mon pote. Nous aura servi de relais. Étonne que Viermo redescend pas pour Bardet. Regardez la descente qu'on va faire. Hein. Là, je vous annonce 55 derniers kilomètres. En tout cas, Godu, il aura fait des Alpes, mon pote. Incroyable. Allez, il y a 50 secondes là. Allez, David. Faudrait que j'utilise pas de bleu par contre. Yo Kirikou, ça va ou quoi? Je vais devoir utiliser un peu. C'est pas grave. Voilà, c'est léger. Si je veux continuer à faire l'écart, faut qu'on continue. Alaf qui craque. Allez, allez, la tactique d'équipe là. Est-ce que maintenant vous y croyez? Est-ce qu'il y a moyen? Allez, David! Oh là là. C'est FDJ qui attaque. Level 100%, c'est vrai. Bien vu. Bien vu, bien vu. C'est pas lui qui roule de toute façon. Non, ça va. Les 500 mètres. Godu qui va tenir facile. Avec Pino, on a réussi à garder du bleu. Dans la peine, il va être à nos côtés. Pouah là là. Quel bonheur. Regardez ce qu'on va faire là. Là, on va, on va le mettre en protection. Et là, on va rouler à bloc dans la descente. On va faire la descente. On bascule avec 2 minutes. Hein. Il faut que tu tiennes, mon pote. Capable de rivaliser avec les meilleurs dans l'école, comme en atteste sa 3ème place au classement final du Tour de France. Il y avait déjà Paris. Oui, je sais. On sera dans le même train vu qu'il part de Bruxelles aussi. En vrai, même s'il n'y a qu'une minute ou 30 secondes, ils vont devoir faire l'effort pour reboucher ce temps-là. Dommage, il perd un peu. Je dois un peu lever le pied si je veux garder Godu. Et ça sert à rien de rester solo. Ah, la boulette. Non. Elle est là. Mais il parle français façon Benji. Bon, on a perdu une vingtaine de secondes, je pense, là, dans cette connerie. Il est trop limite, putain. Je sais même pas s'il va pouvoir tenir toute la plaine. Allez, récupère là.
problème c'est que je dois le mettre en protection parce que sinon dans les virages il se fait lâcher. Vraiment lié en descente et plus la merde, c'est grave hein. Oh c'est chiant qu'il y a plus la merde en descente. Je sais même pas s'il va passer ici. Nous aussi. Compliqué hein. Non tiens tiens tiens. Tiens Maru. Oh Lia, tu me casses les couilles Lia. Sérieusement! Ça aura servi à rien. Nice. En plus, on n'est pas en grande forme, donc dans l'Alp, ça va être dur. Putain. J'ai le seum, sérieux. Godu, Godu. En vrai, c'est pas là. Mais ouais, mais il est en mauvaise forme aussi, on oublie, mais c'est pas là. Il a trop fait d'efforts les deux jours d'avant, du coup, il a plus de jeu. Putain. J'ai le seum, sérieux. Ça sert à rien de faire le forcing tout seul. Putain, on avait 2 minutes, hein. Mais là, si on fait le forcing tout seul dans la plaine, c'est mort. On va se cramer avant l'Alpe, ça sert à rien. Est-ce que je continue le forcing là avec 15 secondes? Est-ce que ça sert à quelque chose, honnêtement? On va quand même rester dans la roue d'Alaf. Mais non, mais on a perdu tout le temps. C'est à cause de Godu qui se crame toutes les 2 secondes, là. C'est triste, hein. Nous sommes à 20 km du terme de cette étape. Si regardez le nombre, il y a au moins 10 bornes de plaine là. Si j'attendais, c'était fini pour nous. C'est le problème. Bon, on va quand même tenter, mais bon, là, on a utilisé beaucoup de force. C'est pas comme tout à l'heure où on était dans les roues là, où on a utilisé des forces dans la croix de fer, donc. C'est dommage quand même. Hein. Bon, l'Alpe d'Huez. C'est pas encore joué. Ça va être chaud, là ça va être très chaud. Là je pense qu'on va perdre du temps mais bon. D'ailleurs j'ai vu ce matin il y a une nouveauté sur YouTube dans les options. Maintenant on peut voir le nombre de gens qui ont activé la cloche pour les notifs. Et je crois que vous êtes 30% à peu près, un peu plus de 30%. Genre je crois que vous êtes 14 000 à l'avoir activé, donc ça fait plaisir, merci. Pour recevoir les notifs et tout.
que pour ta barbe. Ouais. On est long en général à cause des pavés. Hein. 5.32. Non mais. En tout cas, pour le moment, on a une montée exceptionnelle de l'Alpe. J'espère vous profiter du spectacle. On a une étape de fou pour finir sur une montée de l'Alpe comme ça. C'est honteux. Pas de la même qui a abandonné une fois sur deux. Super. Oh, par contre, il y a Binot lâché, ça c'est bien pour le maillot blanc. J'ai pas vu. Et bonjour Fausti. Ça accélère un peu là avec Pulse, non? Quoi du coup? La remontada. En vrai, hier on a repris du temps sur tout le monde, quasiment plus d'une minute sur tout le monde. L'étape d'avant aussi, on reprend du temps sur Dumoulin et toute la clique. Juste 6 mecs qui nous suivent. On va pas se mentir, on gagnera pas le tour. Hein. Sur Thomas, Roglic et tout, c'est impossible. Ils suivent trop, ils sont trop chauds après la mage. Mais par contre, on va essayer de remonter dans le top 5. Quoi. Si on arrive à remonter dans le top 5, faire une petite remontada, choper le poids et les blancs avec Godu, le vert avec Démarre, je pense que ce serait un tour réussi. Justement, en vrai, ça m'arrange ce genre de montée. Ok, on va monter, c'est bon, c'est les favoris, ils vont. Ok, 9,5 km. Ça va, on n'a pas attendu deux bornes, quoi. Moi, je monte au régulateur, tranquille. Harry Krechenbach qui nous aide pour le moment. Si on perd un peu de terrain, c'est pas grave. Tant gérer. Parce que là, ils vont tous essayer de se cramer à suivre. Mon Godu, ripé, mon pote. Je t'aimais bien. Quand même une victoire pour lui. Ça va se regarder là, j'ai l'impression, oui. Que je sais pas, Nandan Martin. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait Martin là. Bon voilà, nous on est monté à notre rythme, on n'a pas subi les attaques. Martin qui retourne. En fait, Martin il s'en. Ouais, non, en fait, non. Je pensais qu'il s'en branlait de Martin, mais. S'il n'y a pas Froome, ouais. Putain, du coup, Steve, avec le décalage, tu vas devoir attendre le 4 juillet, toi. Je suis sûr, il y a moyen si tu demandes à. T'inquiète, je vais te mettre en contact, mon pote. Tu vas l'avoir jeudi prochain, c'est sûr. Je dirais. D'ailleurs, sur votre liste de youtubeurs là, privilégiés, il y a qui? Ah, putain, c'est normal, il n'y a pas Steve, hein, il n'y a pas Azrod. Vous connaissez pas, hein, très bon youtubeur TDF, hein, allez voir. Hein. Yop. Oh, Reichenbach, il nous aura quand même carré un peu là. Putain, la lambda. Fini pour Pulse, fini pour Izaguirre, les équipiers qui lâchent, ok, fini pour Kreuzwake, ouais. J'aurais peut-être une clé. Ah ouais. Quoi, ils t'ont répondu ou pas? Est-ce que je contrerai pas? Ça peut me cramer, hein, mais. Ils viennent de subir pas mal d'attaques là. Laisse-moi me contrer. Dès que ça se recalme là, on les refout en Pulse max. Oh, il a encore Froome, regardez, ça c'est trop cheat en fait. Froome équipier de Thomas, on peut absolument rien faire nous.
Faut tenter de les mettre en fringale, hein. Pony Duval. C'est bon, il y en a marre là, Froome qui aide Thomas. Froome équipier, c'est une honte, sérieux. Laisse-nous jouer entre favoris là, tu niques tout. On a encore 14 de sommet, c'est une honte, sérieux. Fuck l'Alpe. Allez là, on force, faut lâcher, je vois un Movistar en fringale, c'est peut-être Quintana là. Allez là. Lâche-nous, Froome. Depuis le pied, il a fond. Ok, Nibali qui a craqué. Petite cassure, on a bien fait de forcer. Bon là du coup on est cuit, mais faut qu'on force, hein, on n'a pas le choix. Je vais pouvoir suivre là. C'est terrible, la Sky part à deux. C'est fini pour Froome. Enfin, j'ai envie de dire. Avec Bardet, Martin, Roglic là. Et les deux monstres devant qui partent. Roglic il va perdre du temps aujourd'hui. Attends, c'est Jungels là qui est encore là? Mais what? Oh. Bon, mais Thomas il... il est trop cheat dans le jeu, Thomas. Hein. J'espère que sur le 19 ce sera pas comme ça. Nibali a fait le gem, mais ils sont tous en fringale. C'est dommage qu'on n'a pas une belle forme, hein. Parce que regardez, même avec tous les efforts qu'on a fait en début d'étape, on est bien. En train de revenir sur Tom. Tom bien joué. Ah non. Ça, Tom? Bon, devant, il est imbattable, donc ça sert à rien. Deuxième derrière l'imbattable. Bon, j'espère quand même que vous avez kiffé l'étape. On a tenté. On a tenté dans tout. Dans tous les cols. Les trois cols, on a tenté. C'est dommage. Hein, putain, imaginez si on était passé avec Audu. Il avait tenu. On démarrait l'Alpe avec 2 minutes. On peut faire un bordel. J'aurais peut-être pas dû. Après, il a fait deuxième hier. Hein, c'est bien, hein, mais. J'aurais pas dû le faire attaquer hier. J'ai peur là par contre. Oh, démarre. Merde. Je pense que c'est bon pour démarre. Par contre, Granieri. Oh non. RIP. On dit tous adieu à notre soldat. Qui a gagné une étape quand même au sprint, on le rappelle. En 12 étapes, si on fait le bilan, c'est 4 victoires. Ouais, 4 victoires. Une avec Godu, une avec Guarnieri. Une avec Vichot. Et une avec Mollard. 4 victoires, 4 hommes différents. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Et on garde le vert, le maillot à pois et le maillot blanc. Voilà. Non, là c'est le 18 là. J'ai marqué dans le titre, t'es dev 18. Bon. Falloir gérer, hein. Par contre, on a repris beaucoup de temps sur certains mecs derrière. Donc on va remonter. Nice. Bon, numéro 14 est d'aller quand même démarrer large. Général, au terme des Alpes, nous sommes 8ème. On remonte petit à petit. J'ai quand même l'impression qu'il y a moyen d'aller chercher. Hein. Il n'y a qu'une 30 par rapport au top 5. Donc on va tout donner. Pour le podium, ça va être tendu, mais bon. On est là, on tente au moins le spectacle. Godu, maillot à pois. Maillot vert, démarre, ok.
22 points, donc c'est cool. Maillot blanc, 2-17 sur Binout. Leur équipe, on est 4 et combatif. Vichou 3, Go du 5, ok. Ok, ok. Bon. Ça, on s'en fout, c'était pour les prendre les XP. On a simulé. Hop. Bon, ben voilà. Bon, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce live. J'espère que vous êtes contents du retour des petits lives TDF. Encore une petite semaine à attendre pour les lives et les vidéos en balle sur TDF et PCM19. Hein. Pour rappel, si vous avez pas, si vous n'étiez pas là, jeudi prochain, je vais à Paris dans les locaux de Cyanide et Big Ben pour tester les jeux et ils me remettront les jeux en boîte. Ça, c'est cool. Comme ça, j'aurai les boîtes cette année et pas en dématérialisé. Donc voilà. Et après, s'il n'y a pas d'embargo, dès le vendredi, dès que je reviens le vendredi matin de Paris, vidéo et live en balle à partir de vendredi jusqu'à la fin de l'été, jusque même peut-être toute l'année si on espère les jeux sont bons. Et puis voilà. Je vous remercie d'être passé. Le pouce bleu avant de partir, ça fait toujours plaisir sur le live si vous avez apprécié. On se capte donc vendredi pour la fin. Et puis voilà. À vendredi si vous êtes là. Et à la semaine prochaine pour TDF et PSM19. Salut les mecs. Tchuss. Merci. Thank you.